Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live des Moulins du Dev. Live un petit peu précipité hein, au niveau du lancement. Je vous dis pas, dans les coulisses, là, c'était un petit peu on the road again. J'ai cru que ça allait pas passer pour 18h, mais bon, finalement, on y est. Alors attendez, par contre, je vais juste remettre deux, trois petites choses en place parce que j'ai pas le chat du bon côté. Quoique, si, en fait, j'avais peut-être mis là exprès la dernière fois. Bon, je le remets là où il était. Mais je vais en baver comme un rat mort. Voilà, ça, on va mettre ça ici. Ça, là, on va y arriver. Hein. Ah, tout bouge. Voilà, c'est bon. Tac, donc comme ça, moi, je vois... Ouais, non. Je verrai mieux ce que vous écrivez ici, c'est là. C'est pas plus mal. Quoi d'autre? Bah écoutez, pas grand-chose. Semaine de rentrée, donc semaine de folie, forcément. Hein, ça va toujours de pair. C'est pour ça que j'aime pas prendre de vacances, en fait. C'est qu'à chaque fois, quand tu reviens de vacances, eh bien, c'est juste du gros n'importe quoi. La question, est-ce que vous... Je vois pas non plus ma barre de micro. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est bon, le son est là. Cool. Bref, en tout cas, bonjour à tous ceux que j'ai déjà salués et bonjour à tous les autres que j'ai pas forcément salués. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Je suis complètement largué. C'était tellement speed pour arriver à en être là. Bon, alors, il y a effectivement ce qu'on va faire ce soir. En amont, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai publié sur le Discord une petite impression 3D. Vous irez voir si ça vous intéresse. Parce que bah, vous devez voir, là, mes cheveux sont vachement plus éclairés que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi blond que pour le live de ce soir. Salut l'autiste 89, bonsoir à toi. Parce qu'en fait, j'ai rajouté un petit éclairage par derrière. Là, alors, j'ai acheté un petit bandeau LED, en fait. Enfin, je me suis fait un bandeau LED avec différents composants achetés sur Internet. J'ai assemblé, voilà, on va dire un bandeau LED, et je voulais l'accrocher à mon fond vert. Parce que donc là, vous avez un fond vert derrière moi, mais c'est un fond vert qui est enroulable. Et donc, en fait, voilà, j'ai rajouté un petit peu de lumière qui vient par derrière, et j'ai l'impression... Alors, le découpage n'est pas encore parfait, hein, on voit que ça s'agite un petit peu dans les cheveux, mais c'est un peu moins, je trouve, un peu moins... Le découpage est un peu moins à la hache, je trouve, que d'habitude. Du coup, j'aurais tendance à dire que ça marche pas trop mal d'avoir effectivement un éclairage qui vient par derrière. Alors là, après, c'est pas, encore une fois, c'est clairement pas parfait, mais je trouve que c'est peut-être mieux que d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors voilà, la modification n'était pas folle, mais ça me permettait aussi de tester au niveau des éclairages LED comme ça, avec des bandeaux LED. Eh bien, finalement, qu'est-ce que ça donne en termes de qualité d'éclairage, en termes de puissance aussi. Je ne savais pas trop ce qu'on arrivait à obtenir comme puissance lumineuse. Et pour le coup, c'est pas mal du tout. Et puis, pour un tarif qui n'est pas foufou, quoi. Là, j'avais acheté pour 5 mètres de ruban LED. Et en fait, le prix des... Alors, c'est uniquement de la LED blanche. Hein. C'est pas de la LED RVB. Donc, je voulais juste de la LED blanche. Et j'ai pris du 120 LED par mètre pour une puissance lumineuse, je crois, de mémoire, qui devait être autour de 7000 lumens. Donc, c'est pas mal. Et avec le petit cache diffuseur devant les LED, ben, ça donne un truc qui n'est pas complètement déconnant. Voilà. Donc, je vous en dirai un petit peu plus. Je vais encore refaire 2-3 essais. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire, que je vais utiliser en quantité plus abondante pour faire les éclairages de manière générale du setup. Que ce soit l'éclairage de face. Parce que pour le moment, j'ai toujours mon gros Projo là avec ces deux grosses ampoules dedans. Ce qui donne l'équivalent de 200 watts pour m'illuminer, si vous voulez, correctement. Et puis ouais, j'ai regardé 2-3 vidéos là qui montraient comment avoir un éclairage qui soit plutôt sympa. Donc je vais essayer de travailler tout ça. Et notamment au niveau du fond vert, j'ai trouvé une super vidéo, pareil, je vous la mettrai sur le Discord, où il y a un gars qui, voilà, c'est son boulot de faire ça. Alors, il en parle d'un point de vue cinéma, mais ça marche aussi pour nous. Et qui explique un petit peu comment éclairer justement son fond vert pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif au final. Donc on va essayer de faire monter un petit peu la qualité comme ça des images. Mais je suis assez content déjà du rendu. Bon, ça me blanchit un petit peu les cheveux, limite quand même un peu verdi. Finalement, ça devait être un anti retour vert et je trouve que j'ai un peu les cheveux verdâtres. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du retour, mais c'est un peu plus verdâtre finalement que blond. Mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, projet du jour. On va basculer sur le desk pour le moment.
Actuellement, vous avez, enfin, j'ai cette petite chose-là qui tourne en arrière-plan. Donc, j'ai un site web qui tourne. Et en fait, quand vous utilisez les petites nouveautés qui sont dans les grains de blé, donc les points de chaîne, hein, en gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez deux nouvelles pastilles. Une qui s'appelle la scène de ménage et l'autre qui s'appelle l'œil du chat. Et qui vous permettent justement de me dire, bah, hey, regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat ou... Tu t'es planté au niveau de la scène que tu nous affiches, on voit rien, on voit pas ce que tu es censé nous montrer, donc change de scène. Avec la bonne scène, ce serait mieux, parce que là, on ne voit rien. Voilà, donc... je sais pas qui l'a lancé, c'était... C'est Loki, Loki Oda, bonsoir à toi. Donc voilà, donc effectivement, et ça marche. Alors vous l'avez peut-être pas entendu, parce que vous n'avez pas le retour audio sur le son. Mais voilà, moi j'ai eu un petit son qui m'a dit, voilà, avec la bonne scène, ce serait mieux. Et pour le coup, voilà, donc ça va nous permettre déjà d'interagir un petit peu plus. C'est vrai qu'il y a des fois où je suis concentré dans le code et je regarde pas forcément le chat en temps réel. C'est pas facile d'avoir les yeux à deux endroits en même temps. Vous l'entendez en fond. Ok, ça marche. Et donc ça, vraiment, ça va nous permettre d'interagir ensemble. Enfin, ça va vous permettre d'interagir avec moi pour dire, attends, on est en train de te parler d'un truc ou alors tu es en train de nous montrer des choses qu'on voit pas. Donc tout de suite, ça va permettre de corriger le tir. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on pousse un petit peu le vice de ce truc-là pour se rajouter. J'aimerais bien rajouter un petit jeu en ligne qu'on va développer ce soir. C'est vraiment du petit jeu. Hein. C'est juste pour rigoler. Est-ce que vous avez trouvé ça rigolo? J'espère que vous avez trouvé ça rigolo. C'est très basique comme jeu. Hein. C'est un jeu qu'on trouve partout, notamment à la télé aussi, je crois. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé la télé. Mais il me semble que ça se retrouve encore dans les jeux à la télévision. En fait, l'idée de ce jeu qu'on va mettre en place, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un jeu du « je devine la personnalité sur la photo ». C'est-à-dire que vous allez avoir une image, mais une image qui va être couverte par une grille. Et donc, vous allez pouvoir, à chaque live et chacun, vous allez pouvoir faire sauter une case de la grille pour faire apparaître un morceau de la photo. Et donc, bah, l'objectif, à la fin, c'est d'être le premier à trouver qui se cache derrière la photo, donc de faire une proposition qui déverrouille la photo. Et du coup, ça fera un truc comme ça, un petit peu rigolo, un peu interactif, sur lequel vous pourrez interagir. Salut Louis, bonsoir à toi. Et donc j'ai plusieurs idées sur comment faire les choses. Et puis, ça va nous permettre de voir également comment est-ce qu'on peut intégrer finalement ce genre d'application directement dans OBS, puisqu'il faut que ce soit intégré dans le flux vidéo. Et on va voir que c'est extrêmement simple, c'est en fait la manière dont fonctionnent tous les systèmes d'alerte qu'on a avec ce que ce soit avec Streamlabs ou autre. C'est vraiment ultra easy à mettre en place. Et donc on va regarder ça tout à l'heure. En attendant, il y a un petit truc que j'aimerais qu'on modifie sur le chatbot actuel avec ces deux options que vous avez donc qui permettent de me signaler un problème directement par audio. C'est que j'aimerais que vous puissiez choisir la voix qui va me parler. C'est-à-dire que tous les systèmes de speech synthesis permettent de choisir plusieurs voix. Et en fait, en général, on a au moins quelques voix qui sont présentes sur le PC. Là, j'ai regardé tout à l'heure, j'en ai une quantité phénoménale avec des voix chinoises et tout. Google en fournit un panel fou. Et donc, la possibilité 1 pour vous de pouvoir afficher avec la liste des voix. La bonne scène se ferait mieux parce que là, on ne voit rien. Juste pour s'en éviter quand on est vendredi, je sais, c'est pas une excuse. Mais si, c'est une très bonne excuse. Et puis bon, on a quelque chose qui est en place, alors autant l'utiliser. Normalement, au niveau de la scène, là, pour le moment, on est pas mal, même si c'est vrai que pour le moment, on voit pas grand-chose. Donc, voilà, que vous puissiez lister les voix qui sont disponibles sur ma machine. Et puis que vous puissiez dire, allez, on va changer, on va sélectionner cette voix-là. Voilà, salut Alex Ken, bonsoir à toi. Donc voilà un petit peu l'objectif de ce soir. Donc on va commencer par ça, parce que notamment il y a une fonctionnalité qui va nous servir après pour le petit jeu. Et puis voilà, alors il y a des modifications que j'ai voulu faire avant que le live ne commence. C'est ce qui explique aussi pourquoi c'était la tempête avant que je me connecte ici. Et il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné comme je voulais, et ça m'a un petit peu embêté. Donc bon, c'est pas grave, on va faire ça ensemble du coup. Il risque d'y avoir une petite phase de débugage au début, et puis après, ça devrait pas trop mal se passer, en tout cas, j'espère. Alors, le chat que je vous montre un petit peu, il est constitué en fait de deux morceaux. Il y a une application chatbot qui va jouer le rôle de serveur, enfin ouais, c'est ça, il est à la fois serveur et puis donc un petit peu application. Son job, c'est de se connecter
au chat IRC de Twitch, et notamment au canal Les Moulins du Dev. Et puis, donc il va intercepter tous les messages, il va traiter les commandes qui sont intéressantes, et éventuellement, donc, il va fournir des informations à une autre application qui sera connectée à lui. Cette application, c'est un site web, tout bête, qui est ici, qui s'appelle Live Notif. Et en fait, c'est juste une page web qui est connectée avec du WebSocket sur le serveur. Et donc, dès que le serveur lui remonte une info, et ben lui, il réagit. Et puis donc, il nous fait entendre des sons ou des choses comme ça. Avec Zen, on vous observe depuis le panel des modos. Et oui, c'est vrai qu'on a deux nouveaux modérateurs. Ce soir, on a Xen et Sukato qui sont là, l'arme au poing de ce que je vois. Wenarok qui me demande les notifs en chinois. Mais pourquoi pas? Alors, je pense qu'on aura la voix chinoise, mais on n'aura pas forcément la traduction. Après, ça pourrait être intéressant de voir si on ne peut pas intégrer en plus un aspect linguistique pour faire traduire la phrase dans différentes... dans différentes langues, mais bon, on verra. Hein. On va y aller progressivement. Le but, c'est quand même de faire le petit jeu aussi ce soir. Et puis, éventuellement, on apportera de nouvelles fonctionnalités. Et puis, il y a un de ces quatre où je ferai le merge avec le bot Twitch pour qu'on ait donc un gros bot qui soit capable de tout faire en même temps. Une grosse usine à gaz, quoi. C'est du chinois, tout ça, pour moi. Lui, il commence. Il est en forme. Ah. Bon, alors, première chose qu'on va devoir faire, ça va se faire au niveau... y aura deux petites choses. Déjà, notre ami chatbot, on va faire en sorte que vous ayez une commande supplémentaire. Tiens, ouais, là, on voit les résidus du reste du test que j'étais en train de faire tout à l'heure. Hop, je les dégage pour le moment, on remettra ça après. Donc, le fonctionnement en fait du chatbot, il est assez simple. J'ai plusieurs manières de détecter des événements sur le chat. J'ai une méthode qui s'appelle AddReward qui permet d'obtenir l'ID d'une récompense de points de chaîne dans un message. Donc en fait, ça apparaît dans les propriétés du message et ça me permet de savoir que le message que vous avez tapé, il est associé à une récompense de points de chaîne. Et donc ça me permet justement de déclencher des choses quand vous utilisez ces récompenses de chaîne. Et puis, j'ai une autre méthode qui est toute simple, qui s'appelle this.addCommand, et qui là me permet vraiment de travailler avec une commande de base au niveau du chat, où par exemple, si on dit que la commande ce sera point d'exclamation voices, eh bien quand vous allez taper ça dans le chat, je vais déclencher une action par rapport à ça. Au niveau des actions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une classe qui s'appelle command, chatbot command, et en fait, à chaque fois, toutes les actions vont être tirées d'un héritage, d'une spécialisation de cette classe-là qui propose une méthode process, etc. Et comme ça, on s'assure de toujours avoir les choses qui sont présentées de la même façon, quelle que soit l'action à réaliser. Donc pour ça, nous, on va créer une nouvelle classe qui s'appellera VoicesCommand, voilà, qui prend en paramètre le chatbot concerné. Et puis, on va s'occuper de créer cette classe. Ce qu'on va faire, je vais la créer à partir d'une classe existante. Ici, vous voyez, on a la SendCommand. Donc en fait, qui dit simplement, j'ai un constructeur qui récupère le chatbot et qui m'indique si la commande elle est active ou non. Et puis ensuite, donc j'ai une méthode process qui permet de dire, bah voilà, on exécute cette commande-là en lui passant le channel qui est concerné par le message qui est apparu sur le chat, le contexte, donc les informations qui sont liées au message. C'est notamment là-dedans qu'on va pouvoir trouver éventuellement le reward, les points de chaîne, ou si le nom d'utilisateur qui a émis, etc. Et puis le message qui a été transmis. Et en fait, cette propriété enabled que vous voyez là, eh bien en fait, elle est par défaut à vrai. Et en fait, quand vous utilisez une de ces commandes, eh bien elle passe à faux pour un temps donné. En l'occurrence, ici, on voit que c'est pour une minute. Donc techniquement, les deux récompenses que vous avez, que ce soit pour le changement de scène ou le fait de regarder le chat, eh bien, actuellement, vous ne pouvez les lancer qu'une fois toutes les minutes. Voilà. La dernière fois, c'était une fois toutes les 10 secondes. J'ai remonté un petit peu le créneau. Et comme ça, ce sera pas mal. On s'amuse... Alors, bonsoir, on s'amuse avec quoi? Salut, Cool Freeze. Alors, on s'amuse avec le chatbot qu'on est en train de développer. Et donc, l'objectif,
D'ici, je pense, ce sera plutôt d'ici une demi-heure, j'espère. On va attaquer un petit jeu. Et l'idée, c'est de faire un petit jeu de... quelle est la personnalité ou quelle est, en fait, que représente l'image qui va être cachée derrière une grille. Et vous, à travers les commandes du chat, vous pourrez enlever une case de la grille par live. C'est là où ça va être un petit peu... il y aura un petit peu de challenge. C'est qu'à chaque live, chacun d'entre vous ne pourra enlever qu'une seule case. Et donc, il faudra bien choisir votre case à chaque live. Et vous ne pourrez également faire qu'une seule proposition par live. Voilà, comme ça, ça va restreindre un petit peu le champ des possibles. Lui qui rentre chez lui, et alors à plus tard, pas de bêtises, jamais des gens en épée traînent dans le coin. Ça marche. À tout à l'heure, lui, bon retour. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Et donc si je repars de ça pour créer notre petite voice command, c'était voices command, hop, notre classe. Donc ici on va avoir notre voices command, implement chatbot command, blablabla, le constructeur blouf. Ici if enable, on va le laisser aussi. Et donc la liste des voix, bah, bon, pour le moment je vais laisser une minute, mais vraisemblablement ça c'est quelque chose qui va augmenter un petit peu plus. Et donc là, bah, l'objectif, c'est qu'on puisse récupérer la liste des voix du chatbot, les voix auxquelles il a accès, et qu'on puisse lui transmettre tout ça. Alors, le maître... Oui, alors peut-être dans le maître de midi, il y a peut-être ça, effectivement. De mémoire, c'était un jeu, effectivement, je crois que c'était Reichmann qui présentait ça. Mais le problème, c'est que ça fait, encore une fois, des années que je ne regarde plus la télé. Et du coup, bah, je ne sais pas. Donc ici il n'est pas content parce qu'il ne connaît pas cette petite chose là, donc on va importer voice command. Donc là on a notre add voice. Alors ce qu'on peut faire, on peut tout de suite faire un petit test. Ici je vais faire un console.log de c'est une bonne question, on va faire test tout simplement, ou test voices. Donc là je suis sur le chatbot, voilà. Il faut quand même que je lance un petit terminal. Et puis, il y a un autre truc aussi que j'avais fait, c'est que je l'ai lancé via, via PowerShell. Donc, je vais peut-être faire un truc comme ça. Je ne sais pas si là, il marche encore ou pas. Alors, je vais juste faire un petit essai hop, pour voir. Donc, test. Ça ne marche plus. Ok, donc tout va bien. Salut Only Krypton HD, bonsoir à toi. Excuse-moi, j'ai bafouillé sur ton nom. Et donc, nous, bah, tout simplement, hey, Manolia, mais oh, bienvenue à toi. Ici, on va faire un petit test. Alors, on va se mettre en TCW. Voilà, donc là, comme ça, hop, on compile tout ce qui va bien. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau terminal. En fait, j'aurais bien voulu que ce soit... Ah merde, oh là là, oh là là, non, non, non. Détendons-nous. Est-ce qu'on peut... Alors, attendez, je vais... supprimer ça, j'aurais peut-être dû faire voilà, juste comme ça. Donc là, ça c'est bon. Et puis ici, on va aller dans dist et on va faire un nodemon. Voilà, comme ça, TypeScript recompile à la volée ce qui se passe et nodemon bah, se relance automatiquement. Donc comme ça, ça ce sera pas mal. Donc là, on a qu'on est bien connecté à is connected to channel undefined as les moulins du dev. Alors oui, ça, c'est possible que ça vienne du fait que j'ai fait une petite modif sur le fichier .env. Alors, cette fois-ci, pas d'erreur. Je vous bascule temporairement sur l'intro. Voilà, je vais dans mon fichier .env. Je fais la correction. Ben non, a priori, là, tout y va bien. Channels et channels. Ben non, pourquoi il est en undefined? To channel undefined as les moulins du dev. Mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord du tout. Croyez-le bien. J'ai bien IRC channels. Donc je peux refermer ça. Je peux revenir vers vous. Hop. Ok, c'est super. Donc même ça, ça déconouille. Alors les moulins du dev, ça il le trouve bien. Et le channels, il ne le trouve pas. Que je regarde ici. Username token channels. Process en. Ah, est-ce que c'est le channels? Bon, non, point split, espace, ou ça, ça devrait passer. Pop, 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 pop. Est-ce qu'il lui manquerait pas à l'amigo? Non, il y a le .env.config. Donc là, on est bien. Je suis où là? Je suis là. J'ai bien mon index.js
qui fait le .env.config, il fait bien tout ce qu'il faut, donc ça c'est bon. Mais oui, oui, oui. Attendez voir, je teste juste un truc quand même. Hop, j'en refais une pour voir une scène de ménage. Avec la bonne scène, ce serait mieux parce que là, on ne voit rien. Ok, bon bah écoute, a priori, ça, ça passe. Alors, si ça se trouve, c'est juste dans les affichages où j'avais mis... Ah bah voilà, je ne cherchais pas. C'est ici que se trouve le problème, il manquait un petit S juste là. Ok, donc ça passe. Hop, donc vous voyez, j'ai enregistré, ça compile au niveau de TSC et ça relance automatiquement ici avec NodeMon. Donc tout ça, c'est bon, ça tourne bien. Et alors, ce que je voulais faire, c'était un test, tout simplement. Si quelqu'un d'entre vous veut taper la commande Voices avec le petit point d'exclamation devant, eh bien là, on devrait voir apparaître un test ici dans le dans la console. Ah, y aura-t-il l'un d'entre vous qui va... Il va oser taper le point d'exclamation voices. Ouais, et ben voilà, test voices, ça apparaît bien ici. Merci 7B. Voilà, donc ça, on voit que ça passe. Donc ça, c'est une première chose. C'était facile. Ça passe. C'est cool. Maintenant, donc là, l'objectif, c'est de récupérer l'ensemble des voix qu'on peut avoir avec Speech Synthesis et puis retransmettre ces informations au serveur, de manière à ce qu'il puisse les afficher dans le chat avec une numérotation, et ensuite vous pourrez comme ça sélectionner la voix qui va bien. Alors je me rends compte que j'ai fait ça dans une autre scène, oui, pourquoi pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça comme ça, c'est très bien. Donc pour récupérer la liste des voix, on va avoir besoin justement du speech, de l'API Speech Synthesis. Qui en fait fait partie de... qui est un objet global, hein, directement. Et donc ici, on a une méthode qui s'appelle getVoices. Et cette méthode getVoices, eh bien, elle nous retourne une liste de voix. Donc ici, si je fais un const voices est égal à speechsynthesis.getVoices, et puis que je fais, au lieu d'afficher un console.log de test voices, j'affiche directement le contenu du tableau, j'enregistre tout ça, tac, on recopile, et quelqu'un d'entre vous me refait une petite commande voices, et bien normalement on va voir, hop, la liste des voix qui sont présentes sur la machine s'afficher. Et en fait, on a une erreur à la place de ça. Alors une erreur qui nous dit que speech synthesis is not defined, ce qui n'est pas déconnant, ce qui est même plutôt logique, parce que là, je suis côté serveur. Donc, en fait, il n'y a pas d'objet speech synthesis, puisqu'on n'est pas du côté client, et que cet objet-là existe du côté client. Donc là, bah, ça pose un problème, c'est-à-dire que le serveur, lui, ne peut pas savoir quelles sont les voix qui sont présentes sur la machine cliente, et notamment ce qui est accessible via ce site web-là. Donc, il va falloir qu'on communique avec le site, ici, pour lui dire, voilà, j'ai besoin que tu m'envoies la liste des voix, et ensuite, le site va nous renvoyer, justement, ces informations. Donc pour faire ça, bah, ça va être relativement simple. On a un this.bot.emit. Donc je peux envoyer un message avec le bot. Donc je vais dire, tu vas envoyer un message qui demande la liste des voix, par exemple. Donc emit voice list. Et donc si maintenant je vais côté client, du côté de l'application du site, eh bien... Là, dans mon application, je vous montre un petit peu comment elle fonctionne. Donc, l'application, c'est quoi? C'est simplement, je crée un objet I.O., donc une socket I.O. pour me connecter avec le serveur. Donc, ça, c'était des tests que j'ai fait tout à l'heure encore. Ce côté-là, je vais le supprimer. Et puis, on va pouvoir... Ah bah, j'avais déjà, en fait... j'avais oublié de l'enlever, le chat call module. Bah voilà, bah, du coup, c'était... Ah non, chat call module, ça, on le garde. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat call module? Je regarde un petit peu ce que j'avais mis dedans. Il y avait. C'est justement lui qui s'occupe de nous faire parler. Voilà, donc c'est un module qui s'occupe justement de dire, bah, ici tu lisais le chat. Alors justement, j'ai rechangé la syntaxe de chat de manière à ce qu'il prononce bien cat et non pas chat. Parce que sinon, c'était un petit peu le problème. Vous avez vu comment il détourne une erreur comme si c'était voulu à la base qu'elle pro... T'as vu ça, 7B? Ah non, mais il y a quelques années d'expérience quand même. Hein. On va pas se cacher. Hein. Donc voilà, donc là, on est sur le module. Parce que je vais présenter ça justement comme avec sous forme de module, comme on l'avait fait sur le bot Discord. Donc ici, on a un module qui effectivement s'occupe de tout ce qui est discussion.
tout ce qui est parole. Et donc, c'est ici qu'on va justement traiter la demande du serveur pour avoir la liste des voix disponibles. Donc nous, ici, on a un add event lookatChat. Donc quand il reçoit une information du serveur lookatChat, ben, il dit, ici, tu lisais le chat. Et puis quand il reçoit quelque chose, change scene, eh ben, il dit, avec la bonne scène, ce serait mieux. Nous, on va lui rajouter un nouvel événement ici qui va être this.addEvent, on avait dit voicesList. Et quand on reçoit ça, eh bien, c'est ici justement qu'on va récupérer la liste des voix qui sont disponibles et qu'on va les transmettre au niveau du serveur. C'est qui le patron de nom? Ben voilà, c'est ça. Je suis sûr que tu as fait des conférences. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de faire des confs, effectivement. C'est des moments assez, assez intéressants, les confs. Je veux dire que c'était vraiment c'était super. C'est intéressant dans le sens où tu rencontres plein de gens parce que tu n'es pas tout seul à faire ta conférence. Hein. Généralement, il y a d'autres personnes qui sont là aussi. Et donc, d'assister et de voir le travail des autres, c'est extrêmement, extrêmement enrichissant. Donc, sympa. Si vous avez l'occasion d'en faire, faites-vous plaisir parce que c'est du boulot, forcément, mais c'est vraiment intéressant. Hello Furtif, salut Bidoubized, bienvenue à toi. Eh bien écoute Furtif, on verra le temps que ça durera, mais en tout cas je suis très contente de te retrouver ce soir. Alors la liste des voix, comme je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs on voit, on a la méthode qui est ici, hein, donc là en fait, si vous regardez bien ce qui se passe, c'est que quand je lance ce module là, donc j'attends un événement qui s'appelle onVoicesChange, c'est-à-dire que par défaut au début, quand vous lancez votre appli web, si vous appelez tout de suite speechsynthesis.getVoices, vous aurez un tableau vide. Il n'aura rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il lui faut un certain temps pour charger toutes les voix qui sont disponibles dans son répertoire. Et une fois qu'il a fait ça, eh bien, il va appeler l'événement onVoicesChange. Et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes capable de récupérer la liste des voix. Bon, comme vous, le slash voices, vous allez le lancer bien après que l'application soit lancée, on peut se permettre de prendre ce bloc de code-là directement et de l'appeler sans passer par un onVoicesChange. Comme ça, on va être tranquille. Donc ça, je vais le mettre là-dedans. Et puis, là, par contre, ce qui se passe, c'est que je récupère les voix avec tout un ensemble d'informations. Nous, ça ne va pas forcément nous intéresser. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va faire un constVoices est égal à speechsynthesis.getVoice, et plutôt que de faire un for each, on va faire un point .map, et en fait, pour chaque voix, on ne va récupérer que le nom. Voice, return voice.name, voilà. Et donc là, ça me permet d'avoir la liste des voix. Donc si ici, je fais un console.log de voices, donc j'enregistre ce petit bidule-là, alors là, salut Tascom One, E3, bienvenue à toi. J'enregistre le tout, je relance un terminal, là je vais faire un TSC-W aussi, bim, là c'est recompilé, et donc là normalement j'ai mon petit site, avec plein d'erreurs parce qu'il y a eu des coupures de connexion, etc. Je réactualise, je démarre, et là, si l'un d'entre vous fait un point d'exclamation voices, eh bien je suis censé récupérer une information voices list depuis le serveur. Donc, on devrait voir apparaître la liste des langues disponibles directement ici. Voilà. On voit que ça marche, c'est cool. Et on voit également que la tempo fonctionne, c'est-à-dire que si vous envoyez 4 fois la commande voices, eh bien, il n'y en a qu'une seule qui sera exécutée. Voilà. Ça évitera les trolls. Et donc, vous voyez, comme je vous le disais, des langues, il y en a quelques-unes. Il y a les langues donc, de Microsoft Hortense, Microsoft Julie, Microsoft Paul. Et puis ensuite, on a tout un tas de voix de Google pour de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol, du français, je suppose de l'arabe, de l'indonésien, de l'italien, etc., etc., etc. Je dis etc. parce que je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces symboles. Est-ce que c'est le chinois? Il y a forcément, je pense, le chinois traditionnel et puis le chinois avancé, ou je suis dit avancé, mais je ne sais plus, quel est l'autre nom. Bref, il y a sûrement du japonais également. Donc, il y a de quoi s'amuser. Il n'y a pas d'arabe. Ah, c'est pas arabe. C'est pas arabe, alors, je sais pas ce que veut dire ce symbole, hein, mais ça semblait, en tout cas, d'une écriture stylée. Stylée arabe, voilà. Mais, salut Chocololo17. Bidoubized, Japon, Corée, voilà, il est ultra au taquet. Bidoubized, il sait tout, il connaît tout ça par cœur. Donc, l'objectif maintenant qu'on a récupéré cette liste-là, c'est de vous l'envoyer à vous, enfin, vous l'envoyer au serveur pour qu'il puisse
vous l'affichez, puisque c'est le serveur qui est connecté au chat IRC et qui donc peut récupérer ce que vous dites et peut envoyer des informations dessus. Et c'est là que les affaires se corsent, parce que c'était le truc sur lequel j'étais en train de bosser. Je voulais rajouter un petit module aux composants web serveur que j'ai développé, et il y a un petit truc qui se passe pas exactement comme je le voudrais. Alors, c'est pas grave, on va quand même trouver le moyen de... donc là, vous voyez que nous, on récupère le IO, donc c'est la socket, en fait, qui permet de dialoguer avec le serveur. Et donc, l'objectif, c'est qu'au moment où on initialise notre, notre élément, donc là, ici, quand on a un voice list, ce qu'on veut faire, nous, c'est renvoyer une information auprès du serveur pour lui dire, bah voilà, tu voulais la liste des voix, la voici. Donc, nous, on va la lui transmettre directement. Pas directement. On va faire un sys.io.emit, donc pour émettre quelque chose. Il faut qu'on donne un nom à l'action qu'on est au message en gros qu'on va lui envoyer. Donc on pourrait dire voices-list. On pourrait utiliser le même nom. Ou alors on pourrait avoir response. Comme ça, on a un nom de message qui est différent, ce qui n'est pas forcément déconnant non plus. Et puis on va pouvoir lui donner en paramètre directement sous la forme d'un objet JSON. Les voix justement qu'on a stockées. Donc hop, je vais mettre voices, et ça devrait permettre à mon serveur de récupérer l'information. Donc ça, hop, j'ai mon to emit voices list response. Donc à ce niveau là tout est fait, j'ai tout enregistré, donc c'est censé être prêt. On va se mettre quand même ici un console.log pour se dire qu'on a bien envoyé quelque chose. Donc console.log, on va dire voix envoyée. Tac, voilà. Ici, j'actualise un petit coup, et comme ça, ça permettra, si jamais vous envoyez, taper le slash voice, et bien on verra que justement les voix ont été envoyées. Le retour JSON. Le JSON. Quel techno tu utilises pour le dev? Effectivement, c'est du TypeScript, comme l'a si bien dit Louis. Alors là, voilà, vous êtes au taquet, les gars. Bim, bah, vous voyez, voix envoyée, effectivement, ça fonctionne. Donc tout va bien. Alors maintenant. Ça, c'était donc la partie client. On revient sur la partie serveur qui va être ici. Voilà. Donc moi, j'ai mon emit voices list. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est que on soit capable maintenant de recevoir des informations qui proviennent du serveur. Alors, j'ai modifié un petit peu tout à l'heure le web serveur que j'utilise, le composant web serveur que j'ai fait, qui est disponible sur NPM maintenant. J'en ai fait vraiment un autre module pour pas avoir un dossier, pour pouvoir, dans tous les projets où j'aurais besoin d'un web serveur, bah, directement faire un NPM install de mon web serveur et puis pas être obligé de copier le fil, le dossier, et du coup d'avoir des paquets qui ne seront pas forcément à jour. Donc, j'ai rajouté une méthode tout à l'heure, mais qui, je crois, ne fonctionne pas, qui est rien du tout, puisque là, elle n'apparaît pas. Alors, ok. Donc, ah oui, ok, elle n'apparaît pas, parce qu'effectivement, j'étais en train de tester tout ça. Donc, dans mon chatbot, ici, j'ai donc un web server. Web server qui n'est pas accessible directement par les autres objets, notamment par les... par les commandes. Et donc moi j'ai un truc donc qui fait emit, et là j'ai un truc qui fait on. Donc le on, c'est de manière générale, c'est quand on reçoit un message qui vient du serveur, mais en fait comme on est sur le serveur on s'en fout. Donc c'est là que je vais changer justement la méthode. Donc là j'avais un add websocket action, et en fait maintenant j'en ai une nouvelle qui s'appelle add websocket actions on all sockets. Et en fait, ça permet de me dire tous les clients qui sont connectés, donc qui sont connectés au serveur, on a mémorisé leur socket. C'est-à-dire qu'on a stocké leur socket dans une map. Et ce qu'on fait quand j'appelle cette méthode-là, c'est qu'à toutes les sockets, je rajoute un écouteur sur un certain type d'événement. Donc quand l'événement va se produire, eh bien, je vais avoir cette callback-là qui va se déclencher. Et ça va me permettre d'avoir des informations. Donc ici, dans mon voice command, quand je fais un sys.bot.emit voice list, je pourrais également faire un sys.bot.on, et on a dit que c'était voices list response. Donc quand j'ai ça, bien, je peux déclencher une callback qui notamment peut contenir des données, parce que j'ai peut-être pas prévu. Wow.
c'est pas grave. Et cette callback, pour le moment, on va juste lui faire faire un console.log de voicesListResponse. Et donc là, l'objectif, d'ailleurs, on voit que j'ai des erreurs, j'ai un speech synthesis, c'était tout à l'heure ça. Donc ici, je mets mon petit point virgule, j'enregistre tout, ça TSC, ça relance le serveur. Et donc là, avec un peu de chance, si tout va bien, et que vous faites un point d'exclamation voices, je devrais recevoir un message voices list response. Là, on attend de voir, je croise les doigts. Oh, punaise, ça marche. Bon, bah finalement, c'est bon, c'est passé, donc ça fonctionne. Donc ça, déjà, c'est cool, c'était la première étape. Puis la deuxième étape, ça va être ces fameuses data. Et là, la partie data, je ne sais pas si j'ai pensé, au niveau du web server, à transmettre les données, justement, qu'on pourrait nous donner. Donc là, vous pouvez refaire, après exclamation voices, comme ça, ça va me permettre, moi, les sockets, je les mets au pied. Ah, celui. Je n'avais pas vu la blagounette. Et donc, qu'est-ce qu'on reçoit dans data quand on fait ça? Undefined. Ok, donc ça veut dire une chose, c'est que j'ai oublié de traiter les données entrantes depuis le web server. Donc, c'est pas grave, tout va bien. On va venir ici sur une troisième fenêtre Visual Studio. Ça n'en fait qu'une de plus. On va aller voir au niveau du web server. Alors, pour le moment, la gestion des sockets, elle est pas belle. Je vous le dis tout de suite, c'est pas très beau. J'ai rajouté ça vite fait dedans, mais voilà, peut carrément mieux faire que ce qui a été fait actuellement. Donc sur cette méthode voilà, addWebSocketActionsOnAllSocket, donc nous en fait ici on a notre socket, on a notre on, et c'est dans cette parenthèse en fait qu'ici on va recevoir des data. Alors les data, je ne me souviens plus exactement comment elles sont transmises, mais on pourrait supposer qu'on a les data qui arrivent comme ça. Alors clairement c'est du ENI par contre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Socket on, donc on reçoit donc event, et ensuite on a le listener directement. Donc listener qui est une méthode avec les arguments sous la forme d'un any crochet crochet. Donc en fait on a un tableau d'arguments qui nous est passé en paramètres. Donc à faire, on va le faire comme ça. Donc ce serait point 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 data, et donc ce serait du any crochet crochet. Alors, je dis pas de bêtises, c'est pas du string crochet crochet, hein. C'est any crochet crochet. Donc là je respecte tout ça. Le console.log ici, on s'en fout. Le console.socket, on s'en fout parce qu'on a vu que ça passait bien. Et au niveau de la callback, eh bien, tout simplement, on va lui transmettre data. Voilà, donc on lui transmet notre data, ici. Alors là, le truc, c'est que bah, le web server, forcément, moi, il est sur NPM. Donc, il faut que j'enregistre mes modifications. Il faut que je les compile parce que c'est du TypeScript. Donc, un petit coup de TSC pour commencer. Et puis ensuite, on push tout ça sur NPM, tranquillou bilou, comme dirait l'autre. Mais avant ça, je vais dans le package.json, j'augmente la version du serveur, et ici, je fais un NPM publish. Hop. Et comme ça, tout ça, ça va partir. Alors, 45 minutes, le NI, elle... Ah ouais, non, mais là, WannaRock, j'ai pas le choix. C'est la doc même de... Comment? C'est la doc. Je ne peux pas faire autrement. On, socket IO, le listener, il prend any crochet crochet. De toute façon, c'est normal, quand tu attends un objet qui peut être constitué de n'importe quelle façon, tu n'as pas le choix, tu es obligé de mettre un any. Là, il n'y a pas d'autre solution. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que blablablap, lmd 1.11 is not in the npm registry. Tu fous moi. Le complete log, alors c'est peut-être parce que je l'avais monté sur l'autre... Ah, attendez, je comprends pas pourquoi il n'est pas content. Not found, put HTTPS registry, hein, not found. Ben non, c'est parce que je l'ai monté depuis l'autre session. Si je fais... Non, pas là qu'il fallait écrire, c'est là, npm update. Just to see. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? You should be the author. Je suis le auteur, c'est moi. C'est moi qui l'ai publié. Ah, merde, je peux pas le remettre à jour depuis cette session. Alors, oh, you should...
or use the name yourself. You should. You should bug the author to publish it. Ah, je... Oui, bon. C'est tout cassé. C'est... Ça semble facile quand tu le fais. Ouais, bah tiens, la preuve. La preuve. Pourquoi il m'embête? Pourquoi il m'embête? Il n'a pas parlé d'un log ou d'un note. Alors, that note that you can also install from a tarbar folder http url or git url. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'installer depuis tout ça. Je veux mettre à jour le paquet. Mettre à jour. Je suis désolé, mais je ne comprends pas en fait cette phrase. Je ne la comprends pas, donc je vais faire une chose honteuse, voilà. Je vais passer dans trad. Vous devriez bug l'auteur pour publier. Ok, d'accord. Ça ne veut rien dire de plus à ce niveau-là. Bon, bah, ça continue d'être la merde, c'est cool. Ça fait tellement plaisir. Il va chercher sur le repo NBM comment tu l'importes. Là, en fait, je ne l'importe pas. Ici, ça, c'est moi qui le... Là, c'est la création du dépôt lui-même. Il n'y a pas de notion d'import. Là, je le publie. Alors, sauf que je ne suis peut-être pas connecté, en fait, tout simplement sur NPM. Mais je ne vois pas en quoi ma connexion sur Google, ça changerait quelque chose. Alors, attends voir. NPM. Publish. Alors, npm docs, donc, tarball, blablabla, folder, url, or file, pass to a jpeg archive. Non, je m'en fous. Folder, bah, ok. Ça, c'est comment on accède, mais il y a bien un moment où on doit se connecter. Alors, peut-être qu'il faut que je me connecte, tout simplement. npm, connect. Ce ne serait pas déconnant qu'il faille que je sois connecté. Mais non, le courrier connect, ça n'a rien à voir. Bah oui, puis je suis con. C'est pas du tout ça. Alors, voilà, c'est la bonne question, physique. C'est est-ce que je suis connecté? Depuis l'autre session, ça s'est passé comme une lettre à la poste, parce que je pense par défaut, je dois être connecté. Tente un NPN owner is. Attends, je me méfie que vous me donnez des commandes NPM à passer. Alors, tu dis owner. Owner, add. Ah, ls, pardon. C'est pas is, c'était ls. Donc, les moulins du dev. Donc, jusque-là, tout va bien. C'est parfait. C'est bien ça. Et donc, simplement, il faut que je me connecte en tant que les moulins du dev. Je pense que c'est juste ça. Alors, comment est-ce que je fais pour me connecter à ça? Est-ce que c'est le fameux npm link que j'ai vu là tout de suite? In order, apparemment, ce n'est pas ça. NPM connect before publish. Ah, how to publish. Ah, ça peut être pas mal ça, une petite main. Ah bah NPM login. D'accord. Bon bah voilà, je pense que c'est le truc qui manque. Donc NPM login. Hop, on me demande mon username, les moulins du dev. On me demande mon password, je ne le connais pas. Je ne connais pas. Donc, on va se lancer un petit qui passe. Voilà. Et donc, sur les moulins du dev, est-ce qu'on a un truc avec NPM? Oui, nous avons. Copy password. Hop, bim. Hop. Email, this is public. Bon, bah, si c'est public, de toute façon, hein, les moulins du dev at gmail.com. Wouh, ça y est, je suis logué. Et maintenant, pouf, publish. Ah ben voilà, c'était juste ça. Bien, tout va bien. Donc. Hop là, ça c'est réglé. On voit un i à les moulins ou. Je sais pas ce qu'il envoie. Je veux bien bug LMD. Bon, ok, donc ça c'est fait. Donc j'ai fait cette petite mise à jour. Maintenant, je reviens ici. J'ai... Eh bien, il suffit juste de tout relancer. Alors, pour tout relancer, on va faire simple. On va recompiler le tout. Balance-toi. Il s'est pas lancé. Le fourbe personnage.
Ah, voilà. Hop, start. Et maintenant, c'est à vous. Un petit point exclamation voices. Et on va voir un petit peu ce que l'on récupère comme information. On a toujours un undefined. Pourquoi est-ce qu'on a toujours... Ah bah oui, parce que je suis un gros neuneu. Personne ne me dit rien. Ça pourrait être cool de faire un petit NPM update. Before. Voilà. Donc là, on voit qu'on a notre package LMD serveur qui s'est bien mis à jour. Il me permet de relancer le petit NodeMon. Et de vous redemander à nouveau de faire un petit point d'exclamation voices. La machine ne reconnaît pas son maître, ça commence comme ça dans Terminator. Yeah, voilà. Et là, on voit qu'on récupère bien notre liste. Donc, on a un objet. Donc on a un tableau dans lequel on a un objet et dans lequel on va retrouver donc l'attribut voices. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Donc, ça veut dire ici qu'on a un const voices qui est égal à data crochet 0 point voices. Alors, data, on ne sait pas trop ce qu'on a dedans. Donc, on va dire qu'on a ça. Et puis, au pire, on se mettra un tableau si jamais il n'y a rien de tout ça qui est valide. Alors, je me souviens juste plus. Ça, je n'ai pas le droit de le faire. C'est comment déjà le... Il y a eu une astuce. Ou alors, est-ce qu'il y a un point get 0. Voilà, comme ça, s'il n'y a pas data, ou que l'élément 0 n'existe pas, ou qu'il n'y a pas de voices dedans, on est tranquille, c'est secure, et au moins on travaillera toujours avec un tableau dans voices, même si on n'avait rien reçu en paramètres. Et là, en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va afficher la liste des voix avec dans le chat. Donc, on va vous mettre un gros pavé, et pour faire ça, on va simplement faire un this.bot.say. Hop. Et donc là, je vais lui dire de dire, il faut qu'on indique dans quel canal il écrit, c'est le channel dans lequel, ici, on avait reçu le message, la commande. Et on va écrire voices.join et on va mettre un anti-slasher entre chaque ligne. Voilà. Et donc, en faisant ça, et eh bien, maintenant, si vous retapez à nouveau le point d'exclamation voices, vous allez avoir la liste des langues disponibles qui va apparaître directement dans le chat. Alors, pour ne pas avoir le tableau, tu peux point 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 data dans le callback. Oui, c'est vrai que c'est pas faux ce que tu dis là. Et on a eu une erreur. Ah, voilà. Alors, on a eu une erreur qui nous dit que... Alors, c'est peut-être get. Get is not a function. Ah oui, si data n'est... Ah, il m'a un temps... Ouais, data devrait être... Donc là, tu me dis, je devrais faire plutôt poète, poète, poète. Comme ça, data. Tu me dis que j'ai pas besoin, je fais juste data. Et tu penses que je pourrais faire directement un data.voices. Je suis pas convaincu parce que data, du coup, c'est forcément un tableau. Tu vois, c'est bien any crochet, crochet. Hein. Alors, en même temps, c'est oui, c'est peut-être pas aberrant. Dans bot. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, oui, mais là, je... Oui, non. Non, c'est forcément dans la callback. Ça va forcément être un tableau de n'importe quoi. Non, après, bon, ça ne me choque pas que ce soit comme ça. Par contre, juste sur les array en JS. Array, pourquoi il n'y a pas de vache? Est-ce qu'il y a une méthode get ou at? Bon, c'est at, en fait. Hein. Off is written add Alex. Ouais, donc c'est pour ça que je me suis planté. J'avais mis un get, mais en fait, ce serait un point at 0. Point d'interrogation voices. Tac. Allez, on relance ça. Tiens, c'est moi qui vais lancer un voices. Et là, poum, rebelote error. Alors, l'erreur, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est le at qu'il n'aime pas. Alors, pour lui, en fait, il n'y a pas de. Donc c'est que data il le considère pas comme un tableau. Ah non, il est en any effectivement. T'as raison. Oui, c'est pour ça. Ok. Alors par contre, data maintenant, c'est bien any. Alors le at, qu'est-ce qu'il aime pas? La propriété at n'existe pas sur le type any crochet crochet. Alors du coup, je mets quoi? Je vais pas mettre voices directement, ce serait pas logique. Si c'est un any crochet crochet, pourquoi j'ai pas le. Et ça passe.
Ok. Admettons. Admettons, 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 admettons. Donc, hop, voices, boum. Alors, on peut dire qu'il n'a pas aimé. Il s'est pas fait rien, mais il s'est pas passé grand-chose. Hein. Je sais pas si c'est moi qui l'ai écrit comme un cochon. Non. Alors, on va se remettre un petit console point log 2 ici, juste pour être sûr qu'on est bien dans le, qu'on n'est pas dans les choux. Ok. Ah, ouf. Alors j'ai le ici et après j'ai rien. Bah oui, j'ai rien en même temps, mais ça n'écrit rien non plus dans le chat. Alors c'est écrit rien dans le chat, sous-entendu dans Voices, il n'y a rien. Alors si je mets ici data crochet 0 point Voices, qu'est-ce qu'il va me mettre là-dedans? Il y a quoi dans Voices? Alors, normalement, eh bien, il n'y a rien. Voilà, donc data 0, data crochet 0.voices, il n'aime pas. Alors, on va juste afficher data dans un premier temps. Hop, on y retourne. Hop, Voices. Donc, dans data, donc j'ai un tableau qui contient un tableau. Ah merde, ah oui, c'est un tableau de tableau en fait. Putain, pourquoi c'est un tableau de tableau? Ça commence à faire beaucoup de tableaux. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un crochet 0, crochet 0. Donc ça commence à puer un peu la mort, tout ça. C'est pour ça qu'il aurait fallu le faire dans le callback du code NPM. Mais dans le callback du code NPM, mon jeune ami... ici tu veux dire que j'aurais dû mettre dans le callback le 3 petits points data comme ceci. Ok, autant pour moi, j'avais pas compris ça. Ça marche. Eh ben écoute, allez, on est fou. De toute façon, maintenant on est connecté. Hop, on le passe en version 12. On se fait un petit publish. Boum. Voilà. Maintenant, je reviens ici. Un petit contrôle C. Un npm update, voilà, on relance NodeMon. Alors, du coup par contre ça il fallait que j'enlève, voilà, et là normalement sous nos yeux ébahis, eh ben pas forcément mieux hein. Écoute, quand j'ai data j'ai toujours un tableau de voices, vois-tu. Pourquoi ça me fait un tableau de tableau? Ou alors c'est parce que là j'ai remis encore des 3 petits points. Maintenant tu n'es plus obligé de mettre de points. Voilà, ok, on est d'accord. Et donc, hop, effectivement, ça a l'air vachement better. Et oui, c'est même très vachement better puisque là, effectivement, vous êtes tapé un gros pavé dedans. Alors, j'ai mis un anti-slash R. Est-ce que c'est un anti-slash N plutôt qui serait préférable dans ce genre de choses? Ça c'est tout à fait possible. Plutôt sexy ce tableau de tableau. Merci Caria. Allez, un petit voices, pas mieux. Comment est-ce qu'on... Alors, je sais même pas, est-ce qu'on peut faire des retours à la ligne dans le chat? Peut-être qu'il ne les gère pas. Et non, Caria, il y a une tempo. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un truc comme ça? Allez, vas-y, tu peux y retourner, Caria. Ah non, on peut pas. Mince, à ça j'avais pas pensé. Et ben si on... Non, vas-y, Caria, là tu peux relancer, tu peux y aller, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Si on peut pas faire de retour chariot, bah tant pis, on numérotera et puis on espacera et puis voilà quoi. Yes, bien joué Caria. Ah Louis, t'as pas été assez rapide. Ouais, c'est ça, on va essayer de tricher effectivement avec des espaces, enfin on va cloisonner. Alors le cloisonnement, on va le faire, donc ça c'est nos voix, donc ici on va faire un map. Voice virgule index, je crois qu'on a l'index hein. Quand je fais un truc comme ça. Oh mais non, je fais n'importe quoi. Va-t'en toi. Hop. Donc là point map. Donc là le map voices. Ah parce qu'il sait pas ce que c'est. Donc normalement ça c'est un string crochet.
Voilà, donc j'ai mon voices, mon index, et ici je vais faire un return de. Hop, on va faire une chaîne de caractères, on va mettre dollar index, espace, dollar voice, et puis un espace, pareil, des espaces comme ça. Voilà, on va essayer comme ça. Voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'est plus mieux ou pas? À vous de jouer. Voice name ho. Cariad, ici, on peut... Tu peux tricher avec des espaces, si on peut. Tu as tes préférences. Le bot. Ah, et donc les espaces, effectivement, ça les fait sauter. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas forcément illisible. On voit quand même assez bien à quel numéro on fait référence. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Niveau numérotation, ça vous semble lisible, accessible? Index plus 1. Effectivement, je pourrais mettre un index plus 1. On est des informaticiens ici, on commence à compter à 0. Après, voilà, faire un slash voice, point exclamation voice 19, par exemple. Tu pourrais intégrer... ouais, pourquoi pas, oui. Comme ça, je vous verrai en temps réel me parler. Mais j'aurais pu finalement besoin de la version. Ah, la version sonore est quand même vachement plus sympa, je trouve. Ok, donc ça passe. J'ai une petite erreur par contre. A priori, ici, le point join, bah, il doit certainement lui manquer une petite parenthèse. Voilà, comme ceci. Donc ça, hop, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Bon, on va rester là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, donc, dernière chose qu'on va faire, on va rajouter une commande. Donc dans le chatbot, c'était dans le MD chat, hop, ici, donc là j'ai la commande voices qui permet d'afficher toutes les voix, et puis ici on va se faire une commande voice tout court, qui va s'appeler ben, la voice select commande, et donc c'est voice, ah ouais, alors attention, parce que c'est là où il y a fourberie, il va falloir qu'on modifie du coup justement un petit peu le système de commande parce que là je cherche une commande stricte et là il va falloir qu'on change un petit peu les choses pour récupérer les paramètres qu'on va avoir. Donc ça va falloir aussi faire une petite modif, mais c'est bien qu'on ait commencé par ça parce que toutes ces choses là en fait on va en avoir besoin après pour comment pour le petit jeu. Donc comme ça c'est très bien de passer par là. Donc on a dit voice select, blablabla, hop, le petit voice select par ici, et donc, et ben nous, il suffit juste de faire un this.emit voice select, et puis de lui passer entre parenthèses, enfin pas entre parenthèses, dessus, comme ça, moi je vais mettre voice. On pourrait même prendre le nom de la voix, hein, ça marcherait aussi. Mais bon, ça, oui, non, c'est chiant à taper. Donc on va juste prendre voice et puis donc voice ID. Voilà. Et alors là, le problème, c'est que le voice ID, il n'y a pas. On n'a pas. Alors si, vous me direz... Oh non, non, oh là là, on va faire tellement plus simple. Le message, on l'a. Oh mais non, pff, allez hop, c'est bon. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que ça. Donc, on va extraire directement le numéro donc, de la voix que vous voulez qu'on mette en place à partir donc, du message que vous allez saisir, et on va le faire directement là. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, tu pourrais être un. Je ferai crochet index, name crochet index. Tu me donnes envie de faire du TypeScript alors que je n'aime pas ce langage. Sorcier, moi, c'est du vaudou. on va rentrer dans le monde des regex. Ah, un petit peu, un tout petit peu, mais alors ça va être très très rapide. Hein. Je te rassure ou pas. Un bon vieux split et tu te bases sur le début du texte. Exactement, c'est ce qui va se passer, Tazom. Mais on va quand même faire une regex tout à l'heure. Tu fais un truc du genre commande.split et tu le prends à l'index 1. Non, mais c'est ça, c'est exactement ce qui va se passer. Alors qu'on peut replace. Alors on peut replace. Oui, oh.
Oui, c'est vrai qu'on peut replace et puis prendre la voix. Allez, d'accord. Tiens, on va le faire comme ça. Tu as raison. Puis comme ça, ce sera encore plus simple. Donc là, on va se faire un message.replace et on remplace simplement slash voice, espace, par nothing. Et c'est donc ça qu'on va envoyer. Sauf que le emit, forcément, il n'est pas content parce que j'ai pas prévu qu'on puisse envoyer des données encore dans cette partie-là. C'est pas grave, on va le faire nous. Donc le emit, c'est au niveau du chatbot ici. Hop. Donc là, on va avoir un data de type any, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va envoyer. Toujours pareil. Qui par défaut va être égal à nul. Je vais mettre un nul ou undefined. Peut-être undefined. Voilà. Et ensuite, j'ai mon this.webserver.emitWebSockets. Et donc là, on émet avec des données. Normalement, le emitWebSocket, il devrait faire un petit peu la gueule, mais on va voir après. Là, il n'est pas content. Elle est où ma voice? Ah, elle est là. Je ne la voyais pas. Oh. D'ailleurs, renommée voice select. On va essayer de garder le même formalisme que pour les autres. Donc, voice select, c'est ça, voice select commande. Voilà. Ici, il va vouloir l'import. Pouf, ça c'est bon. On n'a plus de rouge, très bien. Et par contre, ce qu'il faut que je check ici, c'est est-ce que j'avais prévu dans le emit. Qu'on ait des données. Non, c'était pas prévu qu'on ait des données. Non, non, non. Donc, alors, les données, ben on va les passer là. Hein. Any, on a dit undefined. Voilà, avec le petit coup de target. Alors là, en fait, dans le web serveur, au niveau de la gestion des sockets, vous voyez qu'il y a deux, à chaque fois, il y a un if qui est fait. Il y a une target. La target, c'est parce qu'en fait, le web serveur, il prévoit de fonctionner aussi bien en HTTP qu'en HTTPS. Et il prévoit que les deux protocoles puissent être activés sur le serveur web. Et donc, dans ce cas-là, bah, est-ce que mes WebSockets sont sur le HTTP? Est-ce qu'elles sont sur le HTTPS? Est-ce qu'elles sont sur les deux? Donc, ça permet en fait au niveau de la target de dire, bah, là, je travaille avec le WebSocket qui est sur le HTTP uniquement. Ça concerne que la partie non sécurisée. Et puis, sur la partie sécurisée, bah, hop, on va travailler avec tel autre socket qui va être en place. Donc, c'est pour ça que vous avez à chaque fois ce genre de petites choses-là. Et normalement, ici, dans Emit, on a un deuxième paramètre qui est voilà, le fameux args any crochet crochet. Alors d'ailleurs, si on est comme ça, il faudrait que ce soit un. Donc là, any crochet crochet, et donc là, data. Data. Et puis ouais, égal à undefined, bah, égal à crochet crochet, tableau vide, hop. Voilà, donc là comme ça on est pas mal. C'est du chinois ce que vous racontez. Alors qui raconte quoi? Tu fais un truc du genre comment on split, pourquoi on split alors qu'on peut remplacer? C'est du chinois du cool freeze. Alors en fait le coup du remplace, cool freeze, c'est juste. Je vais revenir un petit peu en arrière sur celui-ci. Ouais, c'était sur celui-là. Le replace, c'est juste parce qu'en fait, si tu reçois ta commande, en gros, tiens, je vais l'écrire juste en dessous. Si tu reçois un slash voice 19, par exemple, bah, si tu remplaces le point d'exclamation voice espace par rien, bah, tu obtiens automatiquement 19. Et du coup, tu t'embêtes pas à faire un split pour ensuite récupérer l'élément numéro 1 de ton tableau. Tu sais que bah, voilà, tu vas obtenir le truc. Après, si la personne saisit un slash voice 19, 42, 18, bah, juste ça ne marchera pas en face parce qu'il n'y aura pas de numéro 19, 42, 18 qui passera. Voilà, donc ce ne sera pas problématique. Et dans le cas présent, en tout cas, où il y a un seul élément récupéré, le fait de passer par un replay, ça fonctionne très bien. Si par contre, on avait besoin de déterminer plusieurs éléments, ce qui sera le cas dans le petit jeu qu'on va faire après, là, effectivement, il faudra qu'on fasse un split pour pouvoir identifier chacun des éléments qu'on recherche. Ok, alors ça c'est fait. J'en étais donc à l'ami du bon goût ici, donc avec le data, et je passe les data directement à emit. Donc là, on est bon aussi. Par contre, on est sur un data poète poète comme ça.
Et donc, sur la méthode du chatbot pour emit, là, on pourrait faire un rest, on pourrait faire un point, 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 pour être raccord avec, avec l'autre. Et donc là, ce serait du any, crochet, crochet. Et donc là, on renverrait data. Alors lui, il me dit any n'est pas attribuable au paramètre WebSocket target undefined. Ça, c'est logique. Ça vient du fait qu'on n'a pas encore mis à jour le NPM. Donc hop, on va faire ça tout de suite. Là, je passe en version 13. Un petit NPM publish. Hop. C'est incroyable ce nombre de versions sur ce web serveur. Oh, c'est complètement fou. Je reviens sur le chatbot. Hop, un petit contrôle C. On update. Et normalement, il devrait être beaucoup bien plus mieux content. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me dit que le data est toujours pas content. Il a bien mis à jour. Ouais, il a mis à jour. Hop. Ah, il a pas du tout mis à jour, par contre, les... Alors, je reviens là. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un petit TSC? Pas con, hein, peut-être. Voilà. Sur un 14. Juste vérifier que au niveau des dists il m'a bien fait, il m'a bien mis à jour ce truc là donc j'ai bien le emit action, voilà, tout va bien. Ah, parce qu'en fait j'ai coché dans le ts config, vous avez un petit voilà, un petit truc ici qui s'appelle declaration, et en fait il vous génère automatiquement les fichiers .d.ts, comme ça derrière ben, c'est raccord au niveau de TypeScript, il est capable de faire le lien avec vos fichiers JS sans problème. Donc je vais le repousser un coup comme ça. Je suis pas sûr effectivement que le TSC s'était lancé tout à l'heure. Encore une fois, sur mon autre session, je sais pas comment j'avais fait ça, comment j'avais configuré Visual Studio Code, mais Visual Studio Code recompile automatiquement les fichiers TypeScript sans que j'ai rien à faire. J'ai pas de commande TSC à faire. Dès que j'enregistre le fichier, tac, il est automatiquement recompilé. Sur cette session-là, c'est pas le cas. Donc, bah, okay, on fait ça. Hein. Donc là, hop, on fait un petit NPM update. Ça devrait le faire. Je suis en train de faire un MMORPG textuel pour le stream de mon frère. Tu me donnes des idées. Ah, tu vois, 7B, il y a plein de trucs comme ça intéressants à faire. Tu partageras hein, pour ton MMORPG, ça peut être super intéressant. Il sert à quoi l'opérateur? Demande Caria. Alors, de quel opérateur? Ah, l'opérateur trois petits points. L'opérateur trois petits points, en fait, il te permet de dire en fait, je peux appeler ma méthode ici emit. Et puis, alors attends, je vais revenir par exemple ici dans Voice Select. Je peux faire par exemple un this.bot.emit. Et puis, donc là, je vais mettre ma commande ou le nom de mon message. Et puis, je vais avoir un param 1, param 1, virgule, param 2, virgule, param 3. Alors quand. En fait, si tu veux, ma méthode emit, elle ne prend normalement que deux paramètres, le paramètre action et le paramètre data. Mais le fait de dire que j'ai trois petits points, eh bien en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il dit, OK, moi j'attends au minimum un paramètre qui est action, et ensuite, tous les autres paramètres qui vont m'être donnés à la méthode, eh bien je vais les mettre dans un tableau qui s'appellera data. Et ce sera un tableau de any, dans le cas présent, on pourrait imaginer un tableau de string, si c'est que des strings qu'on s'attend à voir passer. Et comme ça te permet d'avoir une méthode à laquelle tu peux passer autant de paramètres que tu veux. Et derrière, tous ces paramètres-là vont être replacés dans un tableau automatiquement. Et donc, c'est plutôt sympa, ce truc-là. C'est le rest opérateur, je crois, de mémoire. Je partagerai les sources, en effet, je fais ça sous licence Apache. Merveilleux, 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 i7b. C'est un peu comme un quark en C. Peut-être. Je ne sais pas ce qu'est qu'un quark. Je n'avais encore pas entendu le nom. Mais typiquement, ouais, tu as des méthodes en C. Bah, si tu prends le printf, quand tu fais un printf, tu peux donner comme ça autant de paramètres que tu veux. Ce n'est pas conditionné. Bah, c'est exactement le même système là. Parce que je ne sais pas si le printf, c'est vraiment une fonction ou si c'est une macro, du coup, pour pouvoir faire ce genre de choses en C. Ok, alors là, on est bon. Je reviens ici au niveau du chatbot. Il fait toujours la gueule, ce abruti. Ah non, il me dit l'argument de type any n'est pas attribuable au paramètre. Mais pourquoi tu veux toujours passer sur du WebSock machin? Emit WebSockets? Il n'a toujours pas mis à jour, lui, là, cette espèce de troublion. Pourquoi donc? Ah, c'est bizarre, ça!
Réfléchissons. J'ai bien modifié Emit WebSocket, ça on est d'accord. Je peux modifier une autre méthode comme un nœud. C'est bien Edit WebSocket ce que j'ai modifié. Jusque là, on est raccord, tout va bien. Si je reviens ici dans mon dist, tiens dans mes nodes modules, je vais aller sur mon LMD WebServer, dist, WebServer.d.ts. On est bien d'accord que ici, j'ai un action, data, hop, tout ça, ça va bien. Ben voilà. En fait, il suffisait juste de réactualiser un petit coup le point .d.ts et là, oh magie, ben, il n'y a plus d'erreur. Donc ça, c'est très bien, voilà, c'est parfait. Donc là, nous, on envoie la commande que l'on souhaite, la voix que l'on souhaite activer. Emit voice, donc voice.message.replace, blablabla. Et donc, théoriquement, quand je suis ici, si je fais un add event, donc this.add event, on avait dit que c'était voice select, avec ici normalement les data qui vont être passées en paramètres. Alors data, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit data est déclaré, mais sa valeur n'est jamais lue. Effectivement, any. Donc là, je vais juste faire pour le moment un console.log de data. Hop! Just to see, pour voir un petit peu ce que ça, là, c'est censé nous donner. Ici, on est recompilé, donc ça, c'est bon. Là, je vais actualiser la page, click to start, et j'ai besoin que quelqu'un me fasse un point d'exclamation voice, je sais pas, 20, par exemple. Hello, au cas où, tu sais que tu peux éviter en phase de dev de publish un package local utilisé dans un autre package local pour voir tes modifs. Non, je ne savais pas, Hideo. Et bonsoir à toi au passage. Alors par contre, il me dit, ah, connection refused. Est-ce qu'ici, ah oui, là, j'ai pas relancé le serveur, donc forcément. Il n'allait pas se passer grand-chose. Allez-y, renvoyez un petit point. Salut Zizou, au passage. Tu sais que tu peux éviter en phase de dev. Eh bien, non, alors, tu vas dans le dossier de ta dépendance, tu tapes npm link. Tu vas dans le dossier qui utilise ta dépendance et tape npm link, nom de ma dépendance que j'ai link avant. Ok, d'accord, ça marche. Alors là, on a un petit point d'exclamation. Alors, c'est voice au singulier. Alors, physics, normalement, ça aurait dû passer, mais a priori, nothing happened. Why, why, why? Alors, j'ai mis un voice select ici. Qu'est-ce que j'ai envoyé, moi? Ça aurait été bien que je check quand même. J'ai bien mon voice select ici. Ah mais si, c'est logique, on n'a pas changé ça. Dans le chatbot, lui, il analyse les commandes telles quelles. C'est-à-dire qu'il regarde est-ce que la commande, justement, il regarde tout. Il ne regarde pas seulement la suite. Alors là, ce que je vais faire, par contre, pour le message, là, je vais être obligé de faire un split et de récupérer seulement la première partie. Donc ici, ce serait un message.split avec un espace. Et puis, on prendrait point at 0. Et sinon, chaîne vide. Et là, il n'est pas content. Il n'est pas content, pourquoi? Il me dit que l'argument de type string, crochet, crochet. Ah mais pourquoi flat? Et flat, moi je veux at. Et at, il n'aime pas. At n'existe pas sur le type string, crochet, crochet. La méthode at n'existe pas. Bon. Bon, tant pis, je vais mettre des crochets alors. Bon, j'aurais bien voulu que ça marche, mais ça ne voulait pas. Donc, là, comme ça, avec cette correction, ça devrait être mieux. Allez, on est reparti pour les boys, chers amis. Ok, en tout cas, je note pour le npm link, il faut que je teste ça. Printf est une macro. Ok, donc c'est bien ça. Voice. Alors, voice 1, voice 2, voice 1, Caria ou Zizou, qui sera le premier, ou Physics. Personne ne donne plus de voix, c'est moi qui y vais. Alors, c'est moi qui y vais. Hop, slash. Ah, on a bien un undefined. Donc, on a un undefined, ça c'est ballot, parce que c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu avoir. Donc, le data. On a que dalle. On a bien le voice select qui est transmis. Mais les données. Put the bee. Alors, voyons un petit peu. Je reprends. Ici.
je fais un emit et j'envoie mes données. Là, pas des problèmes. Dans mon chatbot, je fais mon emit, je mets mon action et j'envoie mes données. Là, pas y avoir de soucis non plus. Et ensuite, on arrive au niveau du web serveur. Et donc là, pareil, normalement, on a les données et on fournit les données directement. Donc dans le emit, on est d'accord que je donne des arguments et c'est un ailing crochet crochet. Donc normalement, ça, ça devrait passer aussi. Alors, la question à 1 million de dollars. Du coup, je suis désolé, je vais pas faire le link tout de suite parce que j'espère que ce sera la dernière modif que j'ai à faire. Je vais juste mettre la console.log ici de... Moi, ce que je veux, c'est les optional params. Oh, optional params. Attends, voir. De ce qu'il a, les optional params, oui. Donc, de data. Allez, on va faire le link pour voir casser la voix. donc, tu dis, tu vas dans le dossier de ta dépendance. Tu tapes npm link, tu vas dans le dossier qui utilise ta dépendance. Ah, d'accord. Ah, bon, on va essayer ça tout de suite. Donc là, je suis dans le dossier de ma dépendance. J'y suis. Donc là, je fais un npm link. Juste ça. OK. Et ensuite, par contre, j'ai pas fait de TLC. Enfin, je vais le faire au passage. Je vais dans le dossier de la dépendance qui utilise Bibi. Et là, je fais un npm link, nom de ma dépendance que j'utilise avant. Donc, lmd web server. OK. Nice. Et donc là, j'ai plus qu'à lancer mon node mode. Et bien, ça va pas. Hop. Et donc là, en fait, toutes les modifications que je fais dans mon dossier de dev, automatiquement, c'est rebazardé. Ici, la voix. Alors, on va tester tout de suite un voice 12, par exemple. Yes. Alors, effectivement. Ah, super, hein, Ideo. Merci beaucoup. Donc, j'ai bien mon voice 12 qui arrive ici. Mais par contre, ici, j'ai un undefined. Alors, pourquoi là, on a un undefined? Ça, c'est assez mystérieux, n'est-ce pas? Ici, j'ai data, et donc dans data, il n'y a rien. Ah, mais attendez, add event. Ah, bah, c'est pour ça. Je suis un nœud, encore une fois. Add event, c'est le module. Et le module, quand tu lui fais add event, on lui donne un event name et une action. Mais là, il y a des choses. Serait bien ici de lui passer argument. Voilà, voilà. Du coup, actuellement, là, j'actualise, je fais un click to start, hop, ici, parce qu'on est des fous, on relance, comme ça, on fait sauter la synchro. Allez, on vote sur la prédiction. Vas-y, alors vas-y, c'est quoi la prédiction? Va-t-il résoudre son problème avant 20h? Bah oui. Mais carrément, j'ai pas le droit de voter, moi, c'est honteux. Le nombre de personnes qui a... Bah, le pognon qui a surnom. Ah, c'est honteux. Vous êtes des fourbes. Allez, voice 10. Bim. Là, j'ai mon voice 10 ici. Et là, j'ai mon array 1. Et j'ai bien mon voice 10. Alors, il manque juste un point, point, point quelque part, je pense. C'est le même problème que tout à l'heure. Donc là, j'ai mon point, point, point. Args. Any. Ah, et tu me disais, c'est dans l'appel à callback, c'est ici qu'il faut que je mette le point, point, point. Voilà. Donc là, boum, on réactualise un petit coup. Tac. Là, allez, on relance. Boum. On peut pas tout avoir. Moi, si je vote, je peux pas valider la prédiction. Ah. Donc, hop, voice 12. Et donc, là, normalement, voice 12. Voilà, ça passe. Donc,
Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand je suis ici, je vais pouvoir changer la voix. J'ai la voix. Donc, quand j'ai mon voice select, eh bien, je vais parcourir mes petites voix. Alors, les petites voix, elles sont ici. Et donc là, il me suffit en fait de faire un filter. Donc, je vais faire un this.selectedVoice égale à speechsynthesis.getVoices.filter. Et voice, return, voice, on s'en fout en fait de voice. Ce qui est intéressant, c'est le index. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que index soit égal à parse int de data crochet 0.voice. Et donc là, on va mettre une chaîne vide au cas où. Efface-moi un petit peu tout ça là. Bon, je vais remettre ça à la ligne parce que on voit rien sinon. Donc index égal parse int de data voice. Et donc ça, c'est censé... Il manque un return, en fait, tout simplement. Et selected voice, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, le type speech synthesis voices crochet crochet n'a pas les propriétés suivantes. Ah, donc le filter, ah oui, il peut m'en retourner plus. Il me retourne un tableau. Ah, il me retourne un tableau. Ah, c'est pas ouf. Bon, on va le faire différemment. On va le faire différemment. On va faire un sum. Donc getVoice.sum voice index if index est égal à ça this.selectedVoice est égal à voice. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est cette collade là. Il manque la fermeture du sum. Et normalement là on est tout bon. Ce qui fait que maintenant, je pense que la tempo elle est écoulée. Oui, ou autant faire. Ouais, mais j'aime pas. J'aime pas du tout cette notation only Krypton HD. J'aime pas. C'est une notation qui, je sais que c'est en fonctionnel, on en voit tout le temps, machin et tout, mais c'est une notation que j'aime pas. Pour moi, c'est pas clair. Bah voilà, il commence lui. Ah, voilà, hein. Alors, il faut faire ça, mais derrière, il faut demander quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut la faire parler, la cocotte. Alors, moi, ce que je propose, déjà, on se fait un voices. Ah merde, le voices, il fonctionne plus. Fichtre. Pourquoi le voices, il passe plus? C'est bien ça, tout à l'heure. Avec la bonne scène, ce serait mieux parce que là, on ne voit rien. Ok, salut femme dame 03, bonsoir à toi. Alors là, on avait une voix. On va essayer d'avoir Paul. Paul, il me semble que c'est Voice 3. Donc, je change la voix. Et par contre, là, c'est pareil, ça me fait flipper parce qu'il n'y a plus rien qui apparaît ici. Mais tout cassé, en fait, hein, c'est ça. Et moi, je vais essayer, non pas la bonne scène, mais l'œil du chat. Et si tu lisais le chat, un petit coup, juste pour voir. Ah bon, ok, il n'y a rien eu, il s'est rien passé, c'est fâcheux. Pourquoi je ne fais pas ça? Donc là, j'ai des voix, alors les voix pourtant ont bien été envoyées, mais elles n'ont pas été affichées, à cause du split, ça. Toi, tu penses c'est à cause du split. Okay. On va voir ça. Pop. Donc, déjà, ici, ce qui serait bien, c'est qu'on affiche ce qu'on reçoit. Donc, console.log de ce qu'on va faire, on va afficher ce morceau-là. Just to see. Une fois qu'on a fait ça, ça déjà, ça va nous permettre de voir un petit peu ce que vous envoyez comme abomination. Et puis ici, autre chose, dans le voice select, on va enlever la tempo pour nous. Je vais mettre 500 millisecondes. Pareil pour le voices command, on va se mettre à 500 millisecondes. Comme ça, on va pouvoir en envoyer.
Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est là, quand je fais un slash voices, j'ai bien les voix qui sont envoyées. Là, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, il faut que j'actualise un petit coup ici. Mais par contre, alors, il me dit voix envoyées, mais elles ne sont pas affichées. Ça, déjà, ce n'est pas normal. Et ensuite, si on fait un voice 3, là, lui me dit qu'il reçoit any. Pourquoi il reçoit any? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Any. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un petit loupé quelque part? Salut Winmad, bonsoir à toi, Winmade, excuse-moi. Bah, lui, il essaye de tout faire péter, quoi. Salopard, formate ces deux points. Ah l'affreux! Ah l'affreux! Le fait qu'il y ait un any en chaîne de caractères qui arrive, ça quand même, ça me semble extrêmement surprenant. J'ai bien mon voice, guillemets, guillemets, j'y mets ça. Donc là, j'ai le voice select, place. Voice, je vois pas pourquoi j'ai un any qui se balade là. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi j'ai un any qui se balade. Sale gauche. Annie, c'est moi. Oui, ben je vois, merci Louis. que signifie... Alors, effectivement, InMade, quand on a cette notation qu'on va retrouver ici, par exemple, on regarde ce qui est à gauche de l'expression, donc à gauche de l'opérateur. Si l'expression vaut nul ou undefined, on retournera ce qui est à droite de l'opérateur. Si ce qui est à gauche de l'opérateur n'est ni nul ni undefined, alors on retournera cette valeur-là. Voilà. C'est, ça permet en fait d'éviter de faire des if à tirer la rigo. Void undefined. Donc, bon, alors je vais essayer de faire... D'accord, donc le any, ouais. Donc le any, effectivement, ça passe bien. Ce qui me choque un petit peu plus, c'est voice 3. Ah, si, quand même, ça passe. Je suis bordel, moi il ne veut pas les envoyer. Donc voice 3, ici, ça fonctionne. Bien. Alors, juste pour voir. Là, on a une bonne allemande. Donc, maintenant, si je mets voice 2, du coup, c'était 2 Paul, et que j'essaye. Avec la bonne scène, ce serait mieux, parce que là, on ne voit rien. Bon, cette partie-là, ça fonctionne. Maintenant, le pourquoi du comment, de qu'est-ce que c'est qui donc que c'est qui se passe, c'est pourquoi le voices, il récupère bien les voix, mais il ne les affiche pas. Est-ce qu'il y a... Alors, bon, le son est faible, mais le problème est réglé. Alors, le son est faible parce que vous ne l'avez pas en direct. Il faut que je vous active l'audio, mais j'ai peur que vous ayez un doublé. Je vais relancer le serveur, comme ça vous allez avoir la voix. Hop. Tiens, regardez donc, je vous le fais, comme ça c'est gratuit pour vous. Et si tu lisais le chat, un petit coup, juste pour voir. Vous voyez ? Hop, comme ça passe. Une chili buff dish. Cool prise. Bon, ok. En gros, c'est pour écrire des conneries, hein, c'est pas la peine. Alors, ça, d'accord. Bon, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est surprenant, c'est les voix, la liste des voix qui n'est pas transmise. La question est pourquoi ? Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans Voices. Donc, je vais faire un petit console.log Voices ici, histoire de voir. Mais que c'est-il donc que je passe ? Donc, slash Voices. Est-ce qu'on reçoit des trucs ? Ah, on reçoit un tableau vide. On reçoit un fucking tableau vide. Alors maintenant, je vais afficher data. Et on va rechecker ça. Hop. Ah, pourtant, on reçoit bien quelque chose. Alors, on reçoit quelque chose. Ah bah, c'est directement dans Voices maintenant. Ah, il est là le souci. C'est qu'en fait, c'est data.voices ou tableau vide. Voilà. Ouf, on va y arriver. On va y arriver. Donc là, j'ai tout enregistré. Combien de voix au catalogue ? Un petit paquet. Hop, voilà. Il y en a exactement 22, en fait. On va de 0 à 21. Ah. Bon, ben voilà, ce morceau-là, tout fonctionne. C'est méga cool.
Donc on va pouvoir passer au petit jeu. Alors, petit jeu. Donc, le petit jeu là. Il va se faire où le petit jeu? Qu'est-ce que j'avais prévu? J'ai le LMD notif blablabla. J'ai fait un index.html avec le click to start. Alors tiens, la question que je me pose également, c'est est-ce que l'app, elle peut commencer sans qu'on fasse ça? C'est-à-dire, est-ce que le speech synthesis, parce que, alors je vous explique pourquoi j'avais mis ce bouton-là, c'est parce qu'au début, donc ça jouait un son. Et en fait, avec Chrome aujourd'hui, je pense que c'est vrai pour tous les navigateurs, il y a une sécurité qui fait que le son ne peut pas démarrer s'il n'y a pas eu d'interaction de l'utilisateur avec la page web. Par exemple, le fait qu'il ait cliqué quelque part sur la page. Salut Yonzeit, bonsoir à toi. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ce petit bouton Start, et quand on clique dessus, ça lance l'application, ça permet de se connecter, blablabla, tout va bien. Donc ça, c'était pas mal. Donc je vais enlever le bouton... Je vais enlever la suppression du bouton. Je vais même enlever le listening pour le moment. On va juste se faire un truc comme ça. Il n'est pas content parce que... Parce qu'il y a ce truc-là. Je ferme l'accolade. Je ferme la parenthèse du load. C'est cette accolade-là qu'il n'aime pas. OK. Donc là, Bloom, Phone 0, Error. Watching for file change. Je suppose qu'il est bon. Je vais actualiser ici. Donc, on a le bouton click to start. Pas de panique là-dessus. Si je fais un slash voices, les voix sont bien envoyées. Et si, hop, je relance une petite l'œil du chat. Je ne sais pas s'il va m'accepter, moi. Alors, là, ça me dit speech synthesis speak without user activation is no longer available since M71. Voilà. Donc depuis décembre 2018. Donc ils disent, donc en fait tout ce qui est audio, faut vraiment qu'il y ait une interaction de l'utilisateur avant avec le site, sinon ça passe pas. Donc ben tant pis, on va remettre ce petit truc là. Alors ça m'ennuie un petit peu beaucoup tout plein. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que... Donc, on a notre index.html. Après, on va disparaître. La couleur, tout ça, le listening, on va le virer. Donc, on va y aller sur... je ne mets pas de listening. Par contre, effectivement, je vais virer le bouton. Et puis, à partir de là, même, on va faire un autre truc. On va faire document.body.addClass. Pardon, classList.add, et on va lui mettre sorted. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe quand le body devient started? Eh bien, son CSS va changer. Effectivement, ça semble assez logique. C'est-à-dire que le body, quand il est started, est-ce que je le fais maintenant, ça? Non, je le fais pas maintenant, en fait. Je le ferai plus tard. Je vais plus vite que la musique, c'est pas bon. Donc, ah ça y est, ils se sont calmés dans le chat, c'est bien, bonne chose. donc maintenant, on va faire notre petit jeu. Donc notre petit jeu, je vous l'ai dit, c'est un truc qui va être très simple. On va charger une image qui sera chargée de manière random. On verra un petit peu après comment est-ce qu'on va faire ça. On va afficher une grille par-dessus notre image, donc il va nous falloir un canevas. Et ensuite, avec les différentes commandes que vous allez faire, vous allez pouvoir voir, enfin, lever des cases, etc. Salut BAC37220. L'objectif également, donc, c'est que cette petite grille, ce petit jeu, il va apparaître quelque part au-dessus de moi. Si je prends la souris, ouais, la souris, vous la voyez normalement, il va... Bon, vous voyez peut-être pas forcément très bien parce que le curseur est un peu dark sur fond dark. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est que ça apparaisse dans ce coin-là du navigateur. Enfin, pas du navigateur, de ce que vous voyez. Et en fait, bah, l'idée, c'est que le jeu ne soit pas visible tout le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il n'y a plus de cases qui sont levées ou de choses comme ça, eh bien, en fait, on va automatiquement le faire s'estomper, il va disparaître. Et si vous voulez rejouer,
eh bien, il faudra soit taper une commande pour rendre visible le jeu, ou sinon, dès que vous tapez une commande qui permettra de lever une case, eh bien, hop, automatiquement, le jeu réapparaîtra à l'écran. Donc, on va jouer là-dessus. Tu iras lire les messages sur Discord. Je pensais être au taquet sur Discord, mon cher Sukato. J'étais pas mal ces derniers temps. Alors, attends, bah, je check... Alors moi, au lieu de chercher Discord, je cherche Sukato. Chercher l'erreur. Alors, il apparaîtra ici, il apparaîtra par là. Sur quel écran? Quel écran, pardon, apparaîtra Discord. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme message? Des nouvelles mentions. Sur ton stream, il serait cool d'ajouter une webview avec OBS et les pôles. Le lien affiche le message en cours. Il pourra sûrement coupler ça avec les WebSockets d'OBS pour afficher quand ça commence et les retirer quand il est fini. Alors justement, bah, tu vois, on va être sur quelque chose d'assez similaire. Donc, et tu vas voir qu'en fait, on n'a même pas besoin de s'embêter avec les WebSockets au niveau d'OBS. On n'est pas du tout obligé de passer sous le socket serveur. Ça ne va pas du tout être obligatoire. Et bah allez, on est parti, la partie sondage, on fera ça dans un deuxième temps. On va déjà faire notre petit jeu. Hein. Ce petit jeu, il va être bien. Alors, en fait, tout va se faire dans notre application ici. C'est ici que tout va se réaliser, se concrétiser. Alors, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu con de le faire là. Ça aurait été bien d'avoir son propre truc. Ah oui, on pourrait carrément se faire la propre application qui fait tout bien comme il faut, plutôt que de faire un module comme ça. Ça permettrait d'avoir vraiment un truc qui est affiché. Ouais, chiche, allez, on repart sur un nouveau projet, ce sera très bien. Je vais simple, en fait, ce que je vais faire, je vais dupliquer celui-là en gros, et puis à peu de choses près, et puis ça va être bien comme ça. Alors, pour faire ça, hop, j'ouvre mes petits dossiers, je vais par là-dedans. On avait le LMD notif, ou que c'est donc, ah oui, mais non, je sais pourquoi je voulais faire ça, parce que je voulais que ça reste, que ça soit tout géré dans OBS. Donc non, j'ai rien dit, hop, je ferme ça. Et en fait, c'était calculé, tout ça a été calculé, entièrement calculé. Donc on va juste créer un nouveau dossier qu'on va appeler Picture Game. Ah, c'est pas mal, Picture Game, hop, voilà. Ensuite, dans ce Picture Game, on va faire un nouveau fichier qui va être index.ts, pardon. Ok, et donc dans le index.ts, normalement, je crée juste une classe qui hérite de modules. Bon, tant qu'à faire, on va aussi prendre le constructeur, hein, comme ça, hop, ce sera très bien. Paf, paf. Donc ici, on va être sur le picture game module. Le selected voice, on s'en fout pour le moment. On va avoir un truc comme ça, pif, paf, pouf. Et donc, nous, on va avoir des petites choses. Donc ça, en fait, ça va être quelque part notre contrôleur, et puis on aura sûrement d'autres choses qui vont être gérées par la suite. Une fois de plus, c'est qui le patron? Ouais, exactement, cool freeze. Non, en fait, je vous explique, ce qui va être intéressant, c'est que moi, là, actuellement, quand je démarre, avant de démarrer le stream, en gros, quand je démarre la session avec laquelle je fais le stream, parce que j'ai vraiment une session de mon PC qui est propre à ça, je me suis fait un petit script PowerShell, je lance le script, ça me démarre OBS, ça me démarre le web server, ça me démarre le chatbot, ça me démarre un bout de site web justement de manière à ce que je puisse entendre, donc ça me démarre plein de trucs, et c'est tout de suite tout opérationnel. J'ai rien à faire en fait, j'ai plus qu'à démarrer le stream et puis c'est fini. Là, l'objectif c'est de pousser un tout petit peu plus loin, de dire ben, effectivement on va lancer le serveur du chatbot, ça jusque là c'est normal, voire le chatbot, je le mets ailleurs et puis il tourne en permanence. C'est à voir également. Et puis, l'autre truc, c'est que je ne lance qu'OBS. Et OBS, ensuite, me fera tout le reste. Il me fera la partie sonore avec la voix du speech synthesis. Il me fera l'affichage du jeu. Il va tout me faire. Alors, j'espère en tout cas. Je ne sais pas si le navigateur qui est intégré à OBS est capable de gérer le speech synthesis. Ce sera la question. On verra si ça passe bien ou pas.
D'ailleurs, ouais, je sais même pas si le ou pas, ça va être possible. On va voir. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que les sockets I/O vont fonctionner? J'aurais tendance à dire que oui, puisque ça fonctionne avec le d'autres trucs. Donc ouais, ça va passer. Ça va passer. Ça va très bien se passer. J'espère. Donc, première chose, il y a cette histoire d'affichage. Il va falloir qu'on affiche notre grille dans le game. Alors, je suis en train de réfléchir un petit peu à comment est-ce que je vais faire ça. J'avais pas réfléchi avant. Donc, petit verre d'eau. Voilà. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Pas du tout, je sais toujours pas comment je vais faire. Mais en gros, donc il va me falloir un canevas. Donc, il faut que j'ajoute un canevas à ma page. Donc, ça, a priori, ça va. Il faut que le canevas, on puisse le faire apparaître, le faire disparaître. Donc, ça, avec une petite classe CSS. Ça devrait jouer. On affiche des choses dans notre canevas. OK. À chaque fois qu'il y a un événement, tac, on rafraîchit le canevas, etc. Ouais, en gros, je pense que c'est plutôt assez simple. Donc, on va d'abord se faire une petite fonction initialize. Cette fonction initialize que je vais appeler dès la construction, donc 6.initialize, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah déjà, elle va commencer par ajouter un canevas à notre page. Donc, quoi de plus simple que de faire un document.suite element de Canva. D'accord? Donc ça va être notre Canva. Et donc ça, on va se le stocker ben justement dans notre Canva. Et ici, je vais avoir un member Canva qui va être de type HTML Canva element ou nul. Jusqu'au début, bah, il n'y a pas de canevas de créer, donc 6.canevas est égal à nul. Là, sur ça, le petit coco, il faut que je lui dise que ça, c'est considéré comme étant un HTML canevas element. Et si je l'avais écrit correctement, ça aurait été tellement plus cool au niveau du snippet. Hein? Ben voilà, super neuneux. Hop, hop. Et donc là, normalement, tout le monde, il est content. Parfait. Je vais pas bloquer le chat, non, ça va. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mon canevas. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est garder le contexte. A priori, il n'a pas de raison de changer en cours de route. Donc, de me faire également un CTX qui est un canevas rendering. C'est le canevas rendering context 2D. Donc, ça va être celui-là. Voilà. Ou nul. Pareil, donc, au début, 6.ctx. Hop, est égal à nul. Voilà. Alors, ça, poum, et ça, poum. On n'a pas besoin de les modifier par la suite. Donc, ici, on récupère tout de suite le CTX. Donc, CTX est égal à 10.canva.getContext. Hop, en 2D. Ça, c'est mon CTX. Ah oui, allez, du coup, sinon, bah, nul. Si jamais il n'y avait pas de canevas. Bon, après, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. D'ailleurs, si j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça et avec des points d'interrogation qui n'ont pas de sens, on va simplement se rajouter un series.canva. Genre, je vais même l'utiliser comme ça. Et voilà, comme ça, il ne m'embête plus. Donc là, j'ai initialisé, j'ai créé mon canevas. J'en ai récupéré le contexte. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas ajouté le canevas à la page. Là, pour le moment, c'est juste un canevas qui est quelque part en mémoire. Donc nous, on va le pousser, on va l'ajouter directement en mémoire. Donc ici, je vais faire un body. Alors, je vais rejeter ça pour le moment. Hop. Donc là, on va faire un body point append child. Alors, par contre, body tout court, ça ne marchera pas. Donc document.body.append child de 6.canva. Et donc là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire oui. Mais ça peut être nul, c'est pas compatible, blablabla, blablabla. Bla bla. Donc hop, on met ça dans notre petite accolade où on a testé est-ce que Canva est nul ou non. Et comme ça, le monde est heureux. Bien, l'initialisation est faite, nous allons pouvoir continuer. Alors après, une fois qu'on a ça, il va falloir justement qu'on soit capable de dessiner notre grille. Et donc d'afficher notre canevas comme il faut. Donc ça, on va se faire une méthode qu'on va appeler refresh ou draw. Voilà, refresh, c'est pas mal, non? Refresh pour rafraîchir le canevas.
Et donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, nous, on fait un ZIS.CTX. Clear, on commence par nettoyer la surface de dessin. Donc, on 0.0, ZIS.Canva.width et ZIS.Canva.8. Alors, par contre, bah, pareil, il va nous embêter. Donc, on va dire if pas ZIS.Canva ou pas ZIS.CTX. Return. Voilà, et comme ça, il arrête de nous embêter à mettre des points d'interrogation partout. Donc là, je nettoie mon petit Canva. Et puis, il va falloir qu'on dessine notre image. Et il va falloir qu'on dessine une grille de cases par-dessus. Alors l'image, on va la dessiner dans un deuxième temps. On va déjà s'amuser, nous, à dessiner la grille du Canva. Bien, bien méchant. Comment est-ce que je fais ça? Refresh, c'est OK. est-ce que je dessine directement des carrés avec le risque d'avoir des bordures qui sont relativement épaisses? Ouais, on peut se le tenter. Alors pareil, ce qu'on n'a pas fait, c'est on n'a pas défini la taille du canevas. Ça, on va le faire au niveau de l'initialisation. On va lui fixer sa taille. On va dire que, d'ailleurs, je peux le faire même, je vais le faire là-dedans. Donc, on va faire un ZIS.Canva.width est égal. Alors, on va le faire de quelle taille ce Canva? On va le bloquer à, que ce ne soit pas trop gros, on va le mettre à 200 pixels. Est-ce que je mets 200 pixels? Bon, ici, on va mettre 200 pixels. Donc, est égal à 200. ZIS.Canva.height est égal à 200 également. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas. Ah oui, en plus, là, je me suis trompé. C'est que là, j'ai mis le width, c'est-à-dire la taille du buffer. Nous, on va faire un client width plutôt. Et un client height. Alors, pourquoi il n'est pas content? Il me dit que impossible d'effectuer une ACC1, car il s'agit d'une propriété en lecture seule. Ah ouais, client width, c'est en lecture seule. Ok. Alors, c'est quoi? C'est. Inner width ou qu'est-ce que j'ai comme preuve? Ben non, client width. Pourquoi client width, elle sera en lecture seule? Dans éléments. Ben c'est nouveau que ce soit une. Parce que non. Ben, excusez-moi, mais si là je fais document.querySelectorButton. Client width est égal à 500. Il s'en fout. C'est pas client width pour changer la taille d'un truc. Qu'est-ce que j'ai? J'ai offset. C'est bien client width. Ah, mais elle est peut-être effectivement en lecture seule. Et donc après, le seul moyen de la changer, c'est à travers le style. Ah, d'accord. Ok, autant pour moi. Donc là, c'est moi qui, effectivement, qui fabule. Donc, ce serait plutôt un style.width est égal à 200 dans ce cas-là. Et là, il ne va pas vouloir 200, il va vouloir une chaîne de caractères, parce qu'il va vouloir 200 px. Ok, on va le faire comme ça. Pas de problème. Voilà. Et du coup, derrière ça, effectivement, là, je peux faire un ZIS.Canva.width est égal à ZIS.Canva.ClientWidth. Effectivement, c'est vrai que c'est comme ça que j'utilise habituellement. Et là, on est bien sûr de la lecture seule. Donc, c'est logique que là, ça marche. Alors que ça ne marchait pas juste avant. Donc là, ça me permet, je fais deux choses, comme d'habitude, je le dis souvent. Là, je définis la taille du composant HTML, la balise, hein, qui apparaît dans l'écran. Et puis là, je définis la taille du bitmap, le contexte qui est à l'intérieur du canevas et qui va s'afficher et recouvrir toute la surface du composant HTML. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois bien gérer les deux dimensions et s'assurer que les deux sont bien équivalents. Alors, ici donc, paf, j'ai mon canevas. Ensuite, on va donc, on a dit qu'on allait dessiner tout ça. Donc là, je fais un clear rect. Alors, on a un truc qui fait 200 par 200. On met quoi? On essaye de mettre...
une centaine de cases sur l'image. Ça fait peut-être beaucoup, 100 cases. Est-ce qu'on en met un petit peu moins? 10, ça fait vraiment peu. Qu'est-ce qu'on peut on pourrait en mettre du coup? Qu'est-ce qu'on a comme puissance, comme carré qui irait bien? Donc, on a quoi? Alors, 16, on a ensuite 25, ensuite on a 36, 8 x 8, 64, mémoire. 64, c'est peut-être un petit peu plus raisonnable. On met 64 cases, on met 8 colonnes et 8 lignes. Allez, on est parti. Ce qu'on va peut-être se faire, c'est une constante dans tout ça. Donc, on va faire une. Private with only grid. Je vais l'appeler grid size de point number est égal à 8. Voilà. Et donc là, on va faire un for let hero est égal à 0, hero strictement inférieur à 6.grid size plus hero. Donc là, on va dessiner les lignes et on dessinera les colonnes. Facilement, on va faire des cases en fait, tout simplement. Hop, 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 hop. Et là, ici, on est sur du i colonne. Pof, pof. Et maintenant, donc, on fait simplement un 10.ctx.rect. React, rect. De. Oh là là. Alors, c'est aussi pareil. Donc, on va mettre x, y, width et height. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que x et y? Donc, const y est égal à i row point height et x est égal à i column point width. Et maintenant, que vaut width et que vaut height? Donc là, on va avoir un const width est égal à 6.canva.width. Youhou, par ici. Et là, on a const height est égal à 6.canva.height. Voilà. Du coup, je pourrais utiliser ça là-dedans. Et ce sera très bien comme ça. Alors, j'ai une connerie, bien évidemment. Ah putain, non, non, ça va pas du tout. Je dis n'importe quoi. Je dis de la merde. Je dis clairement de la merde. C'est incroyable. Donc, je me suis trompé ici, puisque là, c'est pas du tout ça. C'est ça divisé par 10. Grid size. Si je divise pas, ça n'a pas de sens. Donc la largeur et la hauteur, c'est la largeur et la hauteur d'une case. Voilà. Bon, j'ai mes hauteurs de case, j'ai mes machins, je fais mes rectangles. Pour être sûr d'être tranquille, je fais un begin 10.ctx. Pas y arriver. Hein. Begin path. Et ici, donc on fait un 10.ctx. Il faut le remplissage et un 10.ctx.stroke vers le pourtour. Ensuite, le fil, on va le définir un petit peu plus haut. On va faire un 10.ctx.fillStyle est égal dans un premier temps blue. On va faire un blue qui pète bien. Et puis le 10.ctx.stroke est égal stroke style, pardon, est égal à Black. Voilà, on ajustera ce genre de choses un petit peu après. Et ben là, par contre, là, on est pas mal, on va être donc capable de dessiner tout ça. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit refresh juste après la phase d'initialisation. Et puis ben maintenant, il faut qu'on regarde dans notre page web, est-ce qu'on a bien quelque chose qui apparaît, est-ce que ça apparaît correctement. Donc, pour ça, il faut que j'ajoute le module à mon application. Donc mon module, hop, il va se faire ici. Donc 10.module.push new picture game module. Alors on va bien sûr l'importer. On lui donne le IO.
Et normalement, maintenant que ça s'est actualisé, hop, pas d'erreur trouvée, je viens ici, j'actualise. Ok, click to start. Ok, il n'y a pas grand chose qui semble apparaître à l'écran. Alors, si je vais dans les éléments, j'ai pourtant bien un canevas qui est bien centré ici. Par contre, un canevas qui a une largeur de 0 et une hauteur de 0. Ça, c'est problématique. Alors, je reviens, je ne sais pas où. Dans celui-là, en fait, c'est surtout ça le problème. C'est que là, je lui ai demandé client width et client height, et apparemment, là, il est valait 0. Donc, pas de bol pour moi. Je fais à manger et à mes enfants, et je reviens tout à l'heure, ça marche. Bah écoute, bon appétit au petit loup, et puis à tout à l'heure, cool freeze, il n'y a pas de souci. Si tu veux pas que Shift F te remonte tes accolades, tu peux te faire un fichier omnisharp.json, soit dans ton projet, soit dans User Profile Omnisharp. D'accord. Ok, non mais c'est pas grave. Pour ce soir, écoute, je l'accepte. En tout cas, merci Wanarok, j'apprécie beaucoup la proposition. J'ai réussi à le faire sur mon autre session. Je pense que j'ai sélectionné un autre, je sais plus comment ils appellent ça, mais un autre formateur de texte. Mais simplement, je suis toujours embêté. Je sais jamais mettre en forme la sélection. Je sais pas s'il y a un truc TypeScript formateur, mais j'ai dû en sélectionner un, mais un jour, et j'ai pas sélectionné le bon. Et je sais pas où c'est. Parce que je l'avais, un jour, il m'avait proposé, il m'a dit, ah, t'en as deux, et j'ai cliqué sur l'un, et c'était pas le bon. Donc, bon, c'est pas très très grave. Là, je pense que quand je fais le width, tu vas avoir un problème sur le... La taille doit pas encore se mettre tout à fait à jour. En tout cas, il y a un truc qui va pas. Donc, écoutez, pour le moment, hop, allez, en dur. On pourra faire une constante aussi, après, ce sera pas plus mal. Et... ici, click to start, et j'ai bien ma jolie grille bleue, bien moche, mais elle est là. Voilà. Donc ça, déjà, c'est cool. Première étape. Deuxième étape, il va falloir que vous soyez capable donc de révéler certaines cases. En gros, là, pour le moment, on affiche une grille, point barre. La question, ça va être de savoir, est-ce que la grille, est-ce que la case de cette grille-là doit être dessinée ou non. Donc, pour faire ça, on va devoir stocker l'état de chacune des cellules de notre grille. Donc, ici, on va se faire un private grid. Alors, est-ce que je le fais en... Pour les autres, je vais le faire, et je vais le faire aussi pour celui-là. Hop, donc member grid, et ça va être simplement un boolean. Un boolean crochet crochet et même un boolean crochet 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 crochet, c'est un tableau de tableau. Ça, on dégage. Et ici, donc bah, le this.grid. Alors c'est ça qui est chiant par contre, c'est que ouais, je vais le mettre, tant pis, je vais le mettre comme ça. This.grid est égal à nul. Et quand j'initialise, bah, j'initialiserai aussi la grille. Donc au début, il faut que je précise ici que ça peut être nul. Ou nul. Et dans le initialize, ici, donc là, on crée notre canevas. OK. Ensuite, ici, je vais faire un this. Create grid. Hop, donc je me fais une méthode pour ça. Ensuite, là, je vais donc avoir un private create grid qui va s'occuper de ça. Alors d'ailleurs, toutes ces méthodes là, hein, devraient être privées, idem pour initialize. Voilà. Et puis donc create grid, ben simplement on va avoir un this.grid comme ceci plutôt. Point, alors ça dépend, est-ce qu'il est nul ou pas, mais j'aurais tendance à dire on va faire ouais, est égal crochet crochet et this point for let hero est égal à 0, hero
strictement inférieur à 6.gridSize plus plus hero. Et on va ajouter donc des colonnes, enfin des lignes avec des colonnes à tout ça. Donc const row est égal à crochet crochet. Oh, je fatigue, moi je commence à être un petit peu dans les choux. Alors je crois d'ailleurs, il me semble qu'on peut faire, qu'on peut initialiser JS array initialize. Il y a un truc pour initialiser un tableau directement avec n éléments, je crois. Je peux faire, alors avec un seul paramètre, pomme banane, il me semble que je peux faire un truc du genre false et puis virgule 10. Je ne peux pas faire un truc comme ça pour remplir directement un tableau avec 10 valeurs. Est-ce que c'est moi qui ai halluciné quelque part? Ça, si je fais un... Donc const tab égal à new, si je fais avec un new array, pardon, false, 10, il me fait quoi dans le tab? Dans le tab, il y a deux éléments, donc en fait, rien à foutre. Il me semblait qu'on pouvait faire un truc comme ça. Hein. Eh bien, il faut croire que non. Soit on fait la longueur du tableau. Alors, ici, ça ne nous apporte pas grand-chose faire la longueur du tableau si on ne sait pas ce qu'on met dedans. Et bon, d'accord, ok, tant pis. Et il n'y a pas un autre truc du genre, il y a shift, il y a sort, il y a values, map keys. Ah, le hat, il est expérimental. D'accord. Ok, ok. Je comprends mieux maintenant pourquoi il ne le trouve pas. Eh ben, c'est pas grave, hein, on va se le faire. On va se le faire à l'ancienne. Donc j'ai ma row. Et puis bah du coup, for let i column est égal à 0. I column strictement inférieur à 6.gridSize. Plus plus i column. Voilà. Et donc row. Au fait. Il n'y avait pas une comment ça s'appelle, une prédiction qui était en route là. Est-ce que ça a été validé? Alors ouais, ça a été validé. Ok. 2000 points de chaîne donnés à 4 spectateurs, c'est bien, ils font bien leur job les modos, je suis fier de vous. Donc row.push, et donc là bah, par défaut on va dire que non, ce n'est pas révélé. Donc je l'initialise, j'initialise toute la grille à faux, et une fois donc que j'ai initialisé ma ligne à faux, j'ajoute ma ligne à ma grille. Donc je fais un sys.grid.push de row. Voilà, comme ça. Donc là ça me permet de créer ma grille, et ensuite quand on va afficher les choses, et eh bien si la grille, enfin la case de la grille est false, on affichera donc un carré bleu, sinon on affichera notre image. Ici, je vais faire un if this.grid crochet i row crochet i column est égal à false. Alors, hop, là, on affiche un carré bleu. Et donc, this.grid, qu'est-ce qui lui plaît pas? C'est que l'objet peut être nul, ou ça, ou pas. This.grid, voilà. Content, il est content, cool, très bien. Donc ceci étant fait, maintenant on revient là, on actualise, hop, click to start, on voit qu'on a toujours notre petite cellule qui est prête, et c'est là que maintenant on va vous faire intervenir, parce que maintenant bon, on va mettre en place des commandes au niveau du chatbot de manière à ce que hop, vous puissiez lever le voile sur certaines cases. Alors arraySize.fillFall, ah ben voilà, tu vois, je suis tombé à côté, donc on va le faire. Que ça, franchement, je me dis, ça peut être quand même vachement cool. Donc ça, c'était dans l'initialisation qui est ici. Donc row me dit c'est un new array, donc avec la taille. Donc nous ici c'est this.gridSize.fill de nice. On est d'accord qu'il faut quand même le new, hein. Pas de bêtises. Ouais, new array.
Ouki ouki. Nice, merci One Rock. Toi, Phil, je l'avais pas, je l'avais jamais utilisé. Et ben voilà, c'est chose faite maintenant. Donc on disait qu'il fallait voilà, qu'on vous fasse bosser un petit peu. Donc de la même façon qu'ici on a ajouté des événements pour les Lookat Chat, les Change Scene, etc. Et bien là, on va pouvoir rajouter des événements également pour tout ça. Alors, je pourrais même faire de la même façon que j'ai fait un Create Grid. Je me dis que ce serait plus propre de faire un Create Canva dans lequel on va mettre tout ça. Ah non, ça fait réellement plou 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 plou. Par contre, vous sélectionnez plein de lignes comme ça. C'est pas du cheaté. Hein. 6.create. Ok. Et donc maintenant, bah, ce qu'il faut, c'est qu'on ajoute justement nos fameux événements. Donc, on va se faire un 6.add events. Event, pardon. Alors, le premier événement qu'on va faire, ça va être justement de pouvoir révéler une case. Alors, comment est-ce qu'on l'appelle cet événement-là? Parce que c'est en lien avec le jeu. Est-ce qu'on l'appelle juste Reveal? Est-ce qu'on l'appelle Révélé? Est-ce qu'on l'appelle Affiche? Est-ce qu'on l'appelle autrement? Est-ce que vous avez des suggestions, des propositions à faire pour faire une commande sympatoche? Alors après, on pourrait mettre game et puis je sais pas moi, case. Vous n'êtes pas très emballé par le truc là. Vous n'êtes pas très inspiré. Voilà, pas très inspiré. Et là, vous savez quoi? Ce sera case. Voilà. On aura une case. Et donc, on va récupérer, bien évidemment, ici, du data. Et en l'occurrence, donc dans ces data, il faudra qu'on ait la coordonnée X et la coordonnée Y. Donc nous ici, la seule chose qu'on va faire pour le moment, c'est de faire un console.log de data pour voir un petit peu ce qu'on reçoit. Alors là, donc ça va être un any, normalement. Je ne sais plus si c'est un any ou un any crochet crochet. Bon, ah, on verra. Et puis, je reviens hop par ici. Et donc c'est là que on va devoir rajouter des commandes pour justement cette partie jeu. Donc on va faire un add commande. Donc hop, case. Et puis donc là on va avoir un new game commande 10. Voilà. Et donc hop, on est parti. On reduplique ce machin là. On le renomme. Ici, ça va donc game-commande.ts. Là, hop là. Game commande. Ploup, 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 ploup. Et puis donc c'est ici qu'on va faire des petites choses. Alors, effectivement, nous on va faire un this.bot.emit, non pas voiceless, mais là nous on va faire case. Et le truc c'est que... Alors qu'est-ce que j'ai mis moi dans l'autre là? J'ai bien mis case aussi. Ouais, case. Il faut donc qu'on récupère, nous, bah, les différentes cases qui ont été transmises dans le message. Donc pour faire ça, on va être obligé de splitter le message. Le message qui va être du type case 1, 3, par exemple. Et donc, ça, bah, ça va révéler la case de la ligne numéro 2, colonne numéro 4. Alors après, si vous voulez qu'on travaille avec des index qui commencent à 1, on pourra le faire, hein, y a pas de souci. Donc, pour récupérer ça, il faut donc qu'on fasse un const, je vais appeler items, est égal à message.split. Et avec un espace. Alors après, si vous mettez deux espaces, hein, tant pis pour vous. Hein. ça ne marchera pas. Enfin, ça va tout décaler. On va quand même tester si items.length est égal strictement, non pas à 2, mais à 3. L-E-N, petit n par ici. Et puis, hop. Là, donc, on va faire un this.bot.emit case, et puis en données, on va dire x de point items crochet 1 et y de point items crochet 2. Donc, on va le faire comme ça.
Une fois qu'on a fait ça, alors ce morceau-là, pour le moment, moi je vais le faire sauter, je n'en ai pas besoin. On va pas se mettre de limite de temps pour le moment pour faire les tests, on mettra les limites de temps après. Là, forcément, il faut que je fasse un petit import. Et puis on avait dit, hein, au niveau de ça prend bien, donc ça c'est bon, il n'y aura pas de problème, donc c'est déjà tout géré là-dessus. Ok, donc normalement on devrait être plutôt pas mal, même si lui il me dit qu'il y a des choses où il n'est pas content. Apparemment ça a craché. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes, ça a dû cracher, puisqu'en fait ça n'existait pas encore à ce moment-là. Normalement, si j'enregistre tout, ça doit passer. Donc ça, c'est bon. Et du coup, ici, si on actualise, bah, il ne va rien se passer pour le moment, puisque ah, si on a fait un console data. Ok. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer à afficher une case avec un point d'interrogation, point d'exclamation, pardon, case, et puis deux valeurs qui suivent? Alors, unlock frame ou un truc du genre, en tout cas, case en English. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même chose. Alors, si tu mets juste case tout court, ça passera pas, Bonarock. D'ailleurs, ça se voit, on n'a rien reçu, vraisemblablement. Partons, voilà, tu as 2, 4, et là, effectivement, on reçoit quelque chose, et on reçoit bien x à 2 et y est égal à 4. Yes! Donc ça, c'est tout bon. Donc ça veut dire qu'à partir de là, eh bien, je peux faire un this. Comment est-ce qu'on va faire ça? Pour histoire de ne pas être trop, trop merdeux quand même dans ce qu'on va envoyer. Là, de toute façon, normalement, je reçois des chaînes de caractères. Ah oui, là, je reçois des chaînes de caractères ici. Ouais, donc le parse int, on va quand même le faire là. Là, on va se faire un parse int de ça. Et là, on va se faire un parse int de ce morceau-là. Comme ça, on aura directement des entiers qui arriveront de l'autre côté. Ce qui est quand même plutôt mieux. Ah, je vais arriver à aller sur le bon. Mais non, voilà. Et donc, ici, allez, déstructuration, const x, y, ouais, c'est ça, est égal à data, crochet 0. Donc là, ça me donne mes deux coordonnées, et donc il me suffit maintenant de faire un this.fluid, crochet y, pardon, crochet x, toujours les lignes en premier, les colonnes en deuxième, est égal à true. Et ensuite, this.refresh. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas avec le this.grid qu'on a ici? Il me dit que l'objet a peut-être la valeur nulle. Alors, tu me parles de quel objet? De grid? Très bien. Alors, si tu me parles de grid, on va se mettre un if this.grid. Voilà. Ça, on est content. Hop, on enregistre tout ça. J'actualise la page, hop, et là normalement, sous nos yeux ébahis, vous me faites un petit quelque chose par rapport à des cases, et bien on devrait voir les cases qui vont disparaître, voilà, les unes à la suite des autres. Donc la case 1-1, voilà, elle vient de pelleter. Si vous essayez d'autres cases, et bien ça va faire pareil. Personne d'autre? Ok, bon, c'est moi qui vais faire mes muses. Alors, donc, hop, case, on va mettre 5, 6, par exemple. Ok, ça passe. Et puis, si je fais un case hors limite, par exemple, 10, 10, hop. Bon, bah là, cannot set property 10 of undefined. Voilà, donc là, il n'est pas content. Oups, case 5, 8. Voilà, ah, ça y est, le gruyère se fait manger, les souris sont dans la place. Ok. Alors là, effectivement, donc on a un petit truc avec du nul. Ah, case nul, nul. Donc on voit qu'on a des petits couacs. Alors, il faut qu'on vérifie ça. Donc ce qu'on va faire, c'est... est-ce que nul, il n'aime vraiment pas directement? Ouais, nul of undefined. Donc on veut lui faire simplement this... On va se mettre ça là, avant. Et je vais faire un if this.grid crochet y et this.grid crochet y crochet x. Ça doit passer ça.
Donc si j'actualise, hop, je fais ça. Ici, on refait un petit case nul, nul, il n'y a plus d'erreur. Alors, le slash case, c'est normal, ça passera pas, puisque en fait, tu t'es filtré directement au niveau du serveur, où il te dit, ben non, not possible, parce que tu as moins de 3 arguments dans ta commande. Si je fais 2, 2, 1, slash case 2, 2, il s'est rien passé. Que, bah pourquoi? Alors, 2, 2, on est d'accord. Y, alors c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise là-dedans. Donc j'ai cherché 6.8 crochet Y. Ah, mais oui, mais je fais E. Ah là 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 là. Donc, différent de undefined, parce que par défaut c'est false. Donc forcément, bah, ça ne fonctionnera jamais. Never. Ok, donc cette fois-ci. Donc, case, alors tiens, il y en a qui veulent jouer avec AB. Ok, donc AB, pas d'erreur. Case 1, 1, ça passe. Ah, je me souvenais plus qu'on pouvait mettre... Je me souvenais que la dernière fois, enfin, il y a une fois, on avait fait justement les tests, et je me souvenais plus que c'était ça. Donc ça, effectivement, ça, je peux. T'es sûr que je peux, ça? Assignation de doigts. Ah, parce que c'est en assignation. On met des points d'exclamation. Ah, et là, il n'est pas content. Identificateur attendu. Non, ça il n'aime pas. Donc, non, tu vois, ça ne va pas être possible, point d'interrogation, parce qu'on fait une affectation sous Kato. Du coup, il est pas content. Donc, dans le if, par contre, oui, effectivement. Mais dans le if... ouais. Ouais, mais attends, dans tous les cas... Ouais, ça, donc ça m'enlève juste une condition. Mais je suis obligé de laisser le différent de undefined, du coup. Voilà, là, celui-là, je suis obligé de le laisser. Donc ça, c'est bon comme ça. Et du coup, on disait, ici, par exemple, donc si maintenant, je fais un case 1-1, donc ça passe toujours. Si je fais un case 10-10, il n'y a pas d'erreur. Ok, et un case nul, nul, il n'y a pas d'erreur non plus. Et un case wet, wet, il n'y a pas d'erreur. Ok, donc ça, ça passe. Bien, donc première chose, on est capable de... Ah, et case 00, yes, ça passe aussi. Le gruyère est mangé. Ok, ça c'est cool. Maintenant, ce qu'on va faire également, on va faire en sorte que le canevas disparaisse au bout d'un moment, s'il n'y a pas eu d'action qui a été réalisée, et réapparaisse dès qu'il y a une action qui est réalisée. Donc, pour faire ça... On va se rajouter... alors, par contre... Je suis en train de me dire... Là, je ne vais pas pouvoir jouer avec le CSS. On ne va pas s'embêter à intégrer un CSS là directement. Est-ce que je... Non, bon, on va se le faire à la mano. Oui, on va se le faire à la mano. Donc, on va se faire un truc, on va se faire une méthode. Donc là, c'est refresh qui redessine tout. On va se faire un private hide, voilà. Et on va se faire un private display. Donc en fait, hide, on va hide, bon, c'est hide, je suis sûr. On va prendre la valeur d'opacité du canevas et on va la repasser à 0. On va passer de 1 à 0 avec un certain... avec un certain rythme, et puis au contraire, display, bon bah on va augmenter l'intensité du truc. Juste en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour le faire? J'aurais bien utilisé les classes CSS, ça aurait été tellement plus simple. Quoi qu'en même temps, on pourrait faire ça, on pourrait faire un truc de manière générale, une classe générale qui s'appelle hidden. Ouais, on va faire ça. Hidden, donc avec un opacity à 0, et puis Python, du coup, qui va avoir un opacity à 1. Je pense que j'ai que ça à faire, du coup. Ah, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, en fait, quand je crée mon canevas, où est-ce qu'il est créé? Il est créé ici. Est-ce que je peux lui faire un... Bon, si, oui, je peux. 6.canva.style.
transition, ça doit bien exister, voilà, est égal à, et là on veut lui mettre, salut gros bidou, bonsoir à toi. Donc la transition, on va lui dire qu'elle se fait sur, allez, 2 secondes, pas sur tout, on va le faire uniquement sur l'opacity, et puis voilà. Donc on lui rajoute ce truc là, elle a une opacité qui est à 1, et donc simplement quand je fais un hide, je fais un this.canva.classlist.addHidden. Et là comme ça, hop, on lui fait un truc où on fait, on enlève le hidden. Okay. Et maintenant, eh bien, à partir du moment où on a créé le Canva, il va nous falloir une autre méthode justement pour réciter ce fameux timer, le fait de dire bah, là il s'affiche et où il disparaît. Donc, on va se faire un private reset hidden timer. Voilà. Et il va nous falloir donc un timer dans tout ça. Hidden timer de type, je crois que c'est number, voilà. Et donc encore m'arrêter ou nul, hop, ah. Et donc là le 6.hidden timer est égal à nul par défaut, bien. Et donc ici quand on a ça, on fait un 6.hidden timer est égal à set time out. Et donc là, quand le timer arrive à expiration, on fait un this.hide. Voilà, et ça, on va le mettre au bout de, je sais pas moi, là, dans le cas présent, on va le mettre au bout de 5 secondes. Voilà. Et donc le reset time, la fonction de reset, au début, elle commence par faire un clear timeout, this.hidden timer. Alors, pourquoi est-ce que je fais... il veut ça, non, c'est quoi le problème? Parce qu'il peut être nul. Oh, c'est pas grave si c'est nul, elle s'en fout, elle. If this.hidden timer. Voilà. Alors pourquoi je fais ça en fait? La méthode reset time, le reset hidden timer, en gros, on déclenche, enfin, on réinitialise le timer, donc on le refait partir de zéro. Et si jamais il atteint les 5 secondes, bien effectivement, il va masquer le canevas. Par contre, si entre-temps, il s'est passé des actions, vous avez révélé des cases, vous avez demandé à voir le jeu, etc., eh bien, on va faire un reset du timer. Et donc, quand on fait un reset du timer, eh bien, on supprime le timer existant. On fait un clear timeout et on le refait repartir depuis 0 jusqu'à ce qu'il atteigne ses 5 secondes. Et comme ça, en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ben on le remet à 0. Et si il se passe rien, au bout d'un moment, il va atteindre son objectif, ses 5 secondes, et donc il va cacher le canevas. Tu peux faire un set timeout this hide 5000. Alors, non. Non, ça va être foireux, ça, Sukato, si tu fais le this hide, que tu vas avoir une rupture de contexte. Et je pense que ce sera pas... Hide, en fait, ne va pas être appelé dans le contexte this. Il va être appelé dans le contexte window. Et du coup, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça, en fait, que je mets toujours cette notation-là. C'est pour être tranquille. Alors, effectivement, après, tu peux faire un bind. Mais plutôt que de refoutre des binds partout, etc., bah, je préfère lui dire, reste dans ton contexte actuel. Et puis, ça marche très bien comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il faudrait faire un bind dedans. Non, ça foire pas, j'ai testé en prod. Bon, alors du coup, mon reset hidden timer, lui, je vais le mettre. Je vais le mettre bah, à chaque fois justement qu'on a une action. Donc quand est-ce qu'on a une action ici? Bah, on a une action quand on a le add event case ici. Pouf, donc. On va donc faire un petit this.reset hidden timer. Et puis le 6.reset hidden timer en même temps. Donc d'une part, il va nous faire un clear timeout, mais en même temps, on va s'assurer qu'on affiche bien les choses. Donc il va nous faire un this.display. Pour qu'on soit sûr qu'au niveau de l'affichage, on soit nickel chrome.
Donc, si je fais ça, et puis que j'actualise ici ma petite page, bah, normalement, au bout de quelques secondes, c'est-à-dire ici 5 secondes, je crois, notre objet est censé disparaître. Et on voit que ça n'est clairement pas le cas. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas lancé la méthode au tout début, à l'initialisation, this.refreshResetTimer, donc qui ne s'est pas déclenché. Hop, voilà. Là, c'était assez logique. On y retourne. Paf, je réactualise. Donc là, au bout de quelques secondes, on fait un Rubik's Cube. C'est presque ça, frère Dodo. En fait, on va faire... Ah, voilà. Notre cube, notre truc disparaît. C'est presque ça. C'est-à-dire qu'on va faire un jeu auquel vous allez pouvoir jouer de manière interactive dans le Twitch, qui va permettre de découvrir quelle est la personnalité, ou en tout cas, que représente la photo qui sera derrière les petites cases du Rubik's Cube. Et donc là, normalement, si quelqu'un... la commande point d'exclamation case 0 0, par exemple, pour supprimer la première case du tableau, et bien hop, notre petit Rubik's Cube réapparaît. Et si on fait rien, hop, au bout de 5 secondes il redisparaît. Alors 5 secondes c'est un peu court, hein, c'est pour les tests, on mettra 30 secondes après, mais ça permet de voir que bah, effectivement ça fonctionne, on est capable de le faire apparaître et de le faire disparaître. Donc ça c'est plutôt cool. Incroyable, oui. Bien, alors, on va s'attaquer à un autre morceau et on va finir le jeu après. Mais déjà, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez le voir autrement qu'à travers mon écran, que vous puissiez le voir directement dans Twitch avec OBS. Alors, pour faire cette chose-là, eh bien, c'est là qu'on va mettre en place la fameuse classe CSS dont j'avais parlé tout à l'heure et que je n'ai pas fini, j'ai arrêté en cours de route. C'est le fameux body.started. Donc, quand on en arrive là, eh bien, en fait, on va changer la couleur d'arrière-plan de l'ami body. Et on va lui dire... Ou alors, est-ce que je ne le fais pas tout de suite? Ah, je ne le fais pas tout de suite pour qu'on voit la différence. Alors, je mets juste body started comme ça. Moi, je vais aller dans OBS et puis je vais rajouter une petite scène ici. Donc, on va faire plus et je vais ajouter une scène navigateur. Je vais l'appeler chatbot. Ouais, je vais l'appeler chatbot. Ça va bien comme ça. OK. Donc là, vous avez un gros pavé qui vient d'apparaître. Et puis, on va faire un http://localhost. Donc, localhost/lmd/lmd-live-notif. Normalement, j'ai juste ça et je fais un OK. Et là, effectivement, on se retrouve bien avec notre bouton start. Alors ça va être la merde, par contre. Parce que je ne peux pas cliquer sur ce bouton start à la con. Ah, et d'ailleurs, il n'y a pas de background. Ah, automatiquement, en fait, il fait sauter le background. Ok, je comprends plein de choses beaucoup mieux. D'accord, donc en fait, il n'y a même bien rien à faire. Donc, peut-être encore mieux, me direz-vous. Alors, Paris skip mes messages. Mais le concept, c'est les 12 coups de midi. Voilà, donc apparemment, c'est ça. Donc, c'est les 12 coups de midi, le concept. Alors, par contre, il skip mes messages. Mais qui skip donc tes messages, mon cher Sukato? Quel est donc ce... C'est moi qui ai skippé tes messages à toi? Ah, pardon. Mais sinon, tu peux au minimum enlever les accolades. Non, je n'enlèverai pas les accolades. Non, je les aime, mes accolades. J'aime pas votre truc à base de flèches sans accolades et tout. J'aime pas ça. Donc, non. Bon, alors pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais virer le bouton started qui va nous embêter plus qu'autre chose. Donc je reviens ici. Du coup, ça en fait, effectivement, on n'en aura pas besoin. Je pensais qu'il fallait le passer en fond vert, du coup, c'est pas du tout utile. Donc très bien comme ça. Je voulais l'app. Donc je revire ce truc là ainsi que ce truc là. Ainsi que ce truc-là. C'est con, il y a une méthode qui permet de commenter automatiquement. J'aurais pu faire ça. Et du coup, bah, le body, c'est pareil. On n'a pas besoin. Donc, je fais juste ça. Alors là, ici, il va falloir le coquelicot que je le refresh. Donc, propriété. Hop. Hop. Rafraîchir le cache. Bah, dis donc. Pourquoi tu as toujours un bouton qui apparaît? Il n'est pas rafraîchi le cache du tout. On est d'accord, j'ai pas fait. Ah, le click to start, il est toujours là. Ah oui, il est toujours là parce que oui, il faut vraiment que je le virer, hein, tout simplement. On va faire comme ça.
Pouf. D'ailleurs, le truc audio, c'est pareil, on peut le virer aussi. Hop. Voilà. Voilà, par contre, je vous entendrai plus si vous envoyez des choses. Là, la notif, on est bon. Et ici, propriété, fichier local, rafraîchir. Voilà. Là, on voit plus rien. Et alors là, ça, par contre, c'est la merde. Ça, ça m'a l'air pas bon. Alors, on va tester un truc. Case 1-1. Ça, c'est la merde. Ah, des flèches sans accolade, je veux bien voir ça. Ah, tu sais, faire dodo, c'est pour les callbacks avec la nouvelle notation. Tu n'es plus obligé de mettre les... Si tu fais que retourner un truc tout bête, effectivement, tu peux faire une notation à la fonctionnelle sans les accolades et sans le return. Mais moi, j'aime pas ça. Le canevas, il connaît pas. Il sait pas faire. Il sait pas faire le fourbe. C'est le mimi, le rara. C'est pas du tout le miracle du coup. Là, c'est la merde. Alors attendez, j'avais pas prévu ça. OBS. Browser. Alors, browser. Alors, Canva, OBS Project. Ah la vache, si ça se trouve, on va être obligé de partir dans des trucs à la con. Attends, je vais juste chercher OBS Browser. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Browser Source Interaction. Tu n'aimes pas les fonctions fléchées? J'aime bien les fonctions fléchées. Ah si, regarde. Je vais revenir dedans. Non, j'adore ça. Les fonctions fléchées, c'est, je trouve ça, je n'utilise que ça. Les fonctions fléchées, c'est le fun. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que j'aime pas, c'est quand, par exemple, tu vas faire un montab.map et tu mets value flèche value.name. Ah, ça, c'est une notation que j'aime pas. C'est une notation qui est, je comprends, très orienté fonctionnel, etc. Mais moi, tu vois, si je dois faire ça, je préfère l'écrire comme ça. Même que je rajoute un point virgule. Je trouve ça beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Je me pose pas la question. Quand j'arrive là-dessus, je vois qu'il y a une méthode qui retourne quelque chose. Point. Quand je vois ça, ben, je trouve que c'est pas clair. Avec la petite flèche qui va bien quand même. Ça, pour moi, c'est pas clair. Si tu prends une expression comme ça, je sais pas, ton projet, tu n'as pas fait de TypeScript ou tu n'as pas fait de JavaScript depuis 2 ans et puis tu dois revenir sur le projet et tu vois cette notation-là. Tu es tenté de te dire, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on essaie de mettre value dans name. Parce que pour moi, tu vois, il y a une flèche qui va vers là. Et encore, je sais pas, ils avaient fait un truc différent en termes de symbolique pour dire que ça retournait quelque chose, qu'une flèche, où ça va pas du tout dans le bon sens, selon moi. Voilà, pour moi, cette notation-là, elle n'est pas explicite, elle n'est pas claire. Donc, c'est voilà, c'est pour ça, j'aime pas. Il aime rien. Non, c'est pas vrai, il y a des choses que j'aime beaucoup. Encore une fois, les méthodes fléchées, je trouve ça génial. Depuis que j'ai découvert ça, je fais que ça quand les navigateurs me permettent de le faire. Aujourd'hui, c'est quasiment le cas. Mais c'est vrai que quand ces méthodes fléchées étaient sorties, il y a plein de navigateurs, dont Safari, qui n'étaient pas capables de les traiter. Et il a fallu attendre au moins, je ne sais pas, 2016, 2017, avant que Safari soit capable de gérer les fonctions fléchées. Quoi. Je ne sais pas si c'est ce que tu cherchais pour assigner une valeur. Alors, attends, je check un petit coup là-dedans. A.duration. Ah, ok. D'accord. Alors, il y a ça, effectivement. Et puis sinon, moi, je connaissais avec le point d'exclamation à la place du point d'interrogation. Et ça marche aussi pas mal. Alors, le Browser Source Interaction, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce que donc, avoir une source, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'on peut y foutre? Qu'est-ce qui peut s'y passer? Après, on arrive sur Streamlabs OBS. Moi, je ne veux pas être sur Streamlabs OBS. Je ne suis pas du tout sur le bon truc, là. Ah, ça, c'est la chiotte si on ne peut pas faire le Canva. Ah, il y a installing the browser plugin for OBS Studio. Alors, qu'est-ce que c'est que ce browser plugin?
Décrira comment installer avant de commencer. Vérifier que Browser Plugin n'est pas installé. Ce plugin est... Ah bah, donc en fait, effectivement, on l'a déjà. Hein. C'est bien, c'est déjà lui. Et maintenant, hein, vous pouvez désormais intégrer diverses pages web directement sur la scène. Ouais. Donc, maintenant que je suis sûr qu'il s'appelle comme ça, donc c'est bien Browser Plugin. Canva. How to add custom browser source. Browser source problem. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans browser source problem? Media stream permission. Est-ce que quelque part on nous parle de Canva là-dedans? Browser source Canva text not rendering. I'm trying to display an animation I created in HTML that use some HTML5 feature such as the Canva element. Oh yeah. Blablabla. Alors, I tried to uninstall and reinstall OBS and still get some of the problems. Some problem here. Blablabla. I'm still using Fill Still. Ah, apparemment, le Canva devrait pouvoir être, ça devrait pouvoir être jouable normalement. Il n'y a personne qui dit, ah, mais tu peux pas utiliser le Canva, blablabla. Alors, peut-être que je lise un petit peu plus loin. This work perfectly fine when I load them normally in both Firefox and Chrome, but when I use browser source, the same. Alors, attends, voir. Ah oui, non, HTML, won't render any text. Bon, s'il n'y a que le texte qui ne rend pas, moi, techniquement, je m'en fous du texte. Mais, see the following to see a capture I took with OBS, donc là, il y a sa vidéo, cool anyone, blablabla. Here is all the HTML, CSS, JS put into, blablabla. Alors. Plusieurs choses. Est-ce que c'est le Canva qu'il n'aime pas? Safari, c'est pas une flèche. Ah, ouais, Sukato, c'est pas fou. Ah, vous êtes vilain. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le Canva qu'il n'aime pas ou est-ce que ce sont les modules qu'il n'aime pas? Donc, bah, pour checker ça, on va se faire juste un petit bout de truc un peu en mode solo. Tiens, bah, je vais faire dans le index HTML. Ouais, on va le faire comme ça. Je vais virer ça pour le moment. Donc, on va mettre un canevas. Voilà. On va se mettre un bon vieux script à l'ancienne par ici. Là, on va mettre un const ctx est égal à document.query select de Canva blablabla non, point get context tuly voilà et ensuite on va faire un ctx.rect 0,0,100,100 et on fait ici un ctx.fillStyle égale red et ctx.fill. Voilà. Donc on fait notre petit script comme ça. Cette partie-là. Tac, 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 tac. Et tac. Voilà. J'enregistre tout ça. Donc là, normalement, quand j'actualise cette petite chose, is not a function. Rect, ce sera mieux. Ah, j'ai un beau carré rouge, c'est très bien ça. Et donc, bah, du coup, sur OBS, si je fais propriété, tac, 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 j'ai un beau carré rouge. Donc le canevas, ça fonctionne. Donc le problème, c'est pas le canevas. C'est les modules. Okay. Ça veut dire. À mon avis, qu'il n'est pas capable de gérer les modules. Ben, on va tout réécrire sans module. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ça va, bon, ça va le faire. Alors, par contre, putain, sans module, est-ce que je sais encore faire des choses sans module? Ou sûrement que oui. Donc ça, poum, on pelt, les exports, on pelt. Bon, ben, nos modules à nous, ça par contre, c'est différent.
Le Windows, blablabla, ça marche. Donc forcément, tous ces trucs-là, il n'est pas content pour le moment parce que tout est considéré sous forme de module. Mais comme on va pelleter tous les modules, bah, il n'y aura plus de problème. Donc là, ici, c'est bon. Ensuite, ici, hop, ça va. Ça va qu'il n'y a pas 25 000 classes dans le projet, quoi. Hop, et d'un seul coup, hop, tout redevient blanc. Par contre, ça veut dire qu'au niveau du HTML, eh bien maintenant, il faut... Ça, je vais faire sauter tout ça. J'ai mon script, donc dist application app.js, mais qui n'est pas un module. Voilà. Ça, ça vire. Et puis alors là, par contre, on va se faire plaisir, hein, puisqu'il nous faut app, il nous faut module qui se trouve dans modules. Alors j'aurais peut-être plutôt dû partir de là. Ensuite j'ai besoin de chat call slash index.js. J'ai besoin de game, de picture game, pardon. Point index.js. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 fichiers JS intégrés. La lib socket.io, elle est déjà intégrée. Donc normalement, si je fais ça, et que là j'actualise, je dois avoir une belle grille bleue. Ok. Si maintenant je viens ici dans le chatbot, et qu'à nouveau, hop, on fait refresh, ben, j'ai rien du tout. Mais pourquoi diable? Ok. What is the problem? Est-ce qu'on peut voir des erreurs, des choses comme ça, utiliser un débit d'image personnalisé? Non, on s'en fout. Contrôler l'audio via OBS, ça pourrait être cool, mais c'est pour après. Désactiver la source lorsqu'elle n'est pas visible. Rafraîchir le navigateur lorsque la scène devient active. Blablabla. Mais comment diable est-ce possible? Je vois pas le truc qui l'embête là du coup. Ah, est-ce que c'est parce que le canevas est pas présent à l'initial dans la page? Alors ça, ce serait franchement moche. Allez, on essaye canevas. Et du coup, le hop là ici, on ne crée plus le canevas. Là, on fait un document.querySelector de canevas. C'est HTML. Donc je fais ça comme ça. Ah, ou alors est-ce que c'est le S5? Ah, on va peut-être aussi changer ça. Ouais, je le tente carrément. Command.js, hop, on va se faire un truc dans ce goût-là. Ouf, alors là, ça explose. Voilà, donc déjà le new array.fill. On se le cale quelque part bien profond. Donc du coup, ben... Ah putain, j'avais laissé les points push là. Je suis sérieux. Mais il y avait beaucoup trop de cases du coup, ce bordel. J'avais oublié d'enlever ce morceau là. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Donc là, j'actualise, j'ai toujours ma petite grille par ici. Très bien. Mais la neige pour tout le monde, on déblaye les modules. propriété, tac. Tac. Refresh. Ah, c'est bon. C'était juste ça. Ok, donc pas trop de S6 avec OBS. Et puis l'opacité, ça passe nickel chrome. Quelqu'un veut nous afficher une petite case, veut grignoter une petite case pour faire apparaître le loulou? Non, vous n'êtes pas assez vif. Allez, case 0, 0. Bim, et il réapparaît avec sa case en moins. Yes. Bon. Voilà, je vous avoue, ça me rassure un petit peu parce que on revient de loin. Voilà, ça grignote. Impeccable. Puis là, comme ça, c'est cool parce que vous l'avez à l'écran, même si je passe sur autre chose. Voilà, donc ça, c'est quand même, ça va être plutôt sympa, je pense. Après, on verra pour que la dimension soit occupe vraiment toute la surface du cadre. Ok, donc là on a ça. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste à mettre une image, et puis globalement, on va voir qu'il y a quand même un autre problème qui fait qu'il y a des choses qu'il va falloir que je refasse, mais je ferai ça en off. Le problème, je vous le donne tout de suite, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que bah, à chaque fois que je relance le site,
bah, on perd où est-ce qu'on en était sur, sur l'image. Alors, si on se dit que on reste sur un live et que... ah oui, mais alors tiens, d'ailleurs, ça, ce serait intéressant à voir. Tiens, je change de scène. Hop, je vous repasse dans le black. Et je reviens ici. Non, c'est bon. Il conserve bien les informations. La page, elle reste chargée. Et imaginez, je change de scène et pouf, la page est rechargée. Et du coup, bah, on perd tout ce qu'on avait mis comme, comme info dedans. Ce serait un petit peu con. Donc, si on part du principe que c'est une image par live, et si vous ne trouvez pas à la fin du live, c'est perdu, on partira sur une autre image la semaine d'après. Ça marche très bien. Si par contre, on veut faire perdurer le jeu, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé à la fin du live, on continue la semaine d'après. Là, du coup, il va falloir qu'on stocke côté serveur l'état de la grille, et c'est le serveur qui va nous donner tout ça, puis que ce soit stocké dans une base de données, de manière à ce que si ensuite je ferme mon fichier, ma machine, on puisse récupérer tout ça la semaine d'après. Donc, il y aura des choses comme ça. Je mets 3 et ça supprime la quatrième. Ouais, alors effectivement, pour le moment, j'ai fait 0-0. Si vous préférez qu'on commence à 1, on peut commencer à 1. On a tous une case en moins. Nickel, frère Dodo. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra effectivement régler. Donc, on va juste se mettre une image. Alors, une image, on va chercher, quelque chose. Tiens, on va aller chercher Ada. La jeune Ada. Qu'est-ce qu'on se prend comme... Oh, tiens, ouais, ça aurait été peut-être ardu comme... comme photo, celle-là, mais celle-là, elle m'a l'air d'être ouais, peut-être pas tout à fait carré. Allez, copier l'image. On va aller. Fireworks. Non, c'était pas Firefox que je voulais. Soyons raisonnables. Hop. Non, mais toujours pas. Putain, mais... vous savez pourquoi vous perdez des utilisateurs à cause de ça. Donc, je disais Fireworks. Voilà. Je préfère commencer à 42 et finir à 69. Ouais, bah alors, non. Clairement, non. Hop. Ah oui, c'est de la grosse image. Donc, image size, on n'est pas du tout carré. Donc, on va déjà... Allez, on va déjà se mettre en carré. Donc, 2205, et tant qu'à faire, on va les grignoter plutôt le bas. Et puis ensuite, allez, image size, là ce soir on va pas s'embêter, on va se mettre directement une image en 200 par 200, et puis on va aller exporter ça, dernier export que j'ai fait, c'était le support du moulin, donc on va aller, je suis où là, bah, tiens, c'est pas mal, ça, D2 points, exemple, LMD, on va le mettre en dur pour l'instant, donc live natif, New folder, IMG, hop, et à la. Ah, par contre, c'est du. Oh, c'est du PNG. Bon, c'est pas. Tant pis, on accepte. Voilà. Bien, bien, bien. Alors maintenant qu'on a notre image, eh bien, on va pouvoir la charger et puis on va l'afficher un petit peu comme on veut. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour le moment. Je suis en train de réfléchir. Ouais, si, ce serait quand même mieux. Je vais charger l'image pour le moment ici. Donc, je vais faire un member. Picture type image, voilà, d'ailleurs image ou nul, voilà, pof, ouais, il y a eu un E qui va dinguer, et le 7, j'en ai pas besoin en fait, et donc, ah, image, il aime pas, image fait référence à une valeur, mais il est utilisé ici, en... bah tu veux quoi dans ce cas-là, si tu n'aimes pas image, tu veux un HTML image element. Ok, cool, ça me va. Ou alors je... Ouais, une image, ce sera bien. Ok, donc là, on est bon comme ça. Donc 6.picture up est égal à nul. Ensuite, ici, on va faire un 10.load picture. Et puis, on va même se faire un... Voilà, on va être complètement dingue. On va faire un await. On va faire une méthode qui est asynchrone avec initialize. Pourquoi il n'est pas content? Une fonction méthode asynchrone nécessite le constructeur. Ah oui, parce que je suis en ES5. Eh ben, on fera pas comme ça.
Voilà. Donc, il faut juste un zis pour l'autre picture, puis on espérera que vous soyez trop lent pour, pour que ça fonctionne. Bon. Alors, private load picture. Voilà. Donc, on va faire un this.picture est égal à new image. Ensuite, this.picture.src est égal à img slash ada.png. Je le fais moche hein, pour le moment. Et puis, quand j'aurai un this.picture.onload, this.refresh. Voilà. Et ici, quand on dessine, on refresh, donc on va à this.picture. Voilà. Alors du coup, maintenant, c'est quoi la technique? Parce que pour le moment, on affichait du bleu et affichait l'image. Il y a deux solutions. La première solution, c'est de dire, ben, on affiche l'image, et puis par-dessus, on raffiche les petites cases. C'est une possibilité, mais je me dis, alors, je pourrais le faire avec un backbuffer. Dans ce cas-là, la question ne se poserait pas. Backbuffer, c'est-à-dire qu'on dessine déjà tout dans un canevas, et c'est le résultat qu'on dessine à l'écran. Donc ça, c'est ce qu'on utilise notamment souvent en 3D avec on flippe les buffers, on permute les buffers, comme ça on dessine en mémoire pendant qu'on affiche à l'écran, puis ensuite, dès que c'est prêt, hop, on raffiche le deuxième buffer pendant qu'on en remplit un nouveau en arrière-plan, etc. Donc ça permet de gagner du temps. Et là, en fait, surtout, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, alors c'est vrai que comme les commandes vont peut-être être envoyées de manière assez rythmée, etc., je pense pas que vous puissiez faire bugger le système, mais je me posais la question, est-ce qu'on pourrait imaginer que le canevas commence à se dessiner alors qu'il n'est pas complètement recouvert de gris? Je ne sais pas. A priori, je ne pense pas que ce soit possible, mais imaginons que ce soit le cas, que ce soit possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner l'image. Non pas on dessine l'image et ensuite on dessine les cases dessus, mais on ne dessinera que les morceaux d'image qui nous manquent. C'est-à-dire que ici. Soit on dessine une case bleue parce que l'image n'a pas été révélée à cet endroit-là, soit on dessinera juste la portion d'image qui remplit le trou. Mais tu transpiles ton code en JS, non, il me semble que tu peux transpiler vers de l'ES5. Ah oui, bah c'est ce qu'on fait, hein, là, on transpile vers de l'ES5, mais dans certains cas, notamment tu vois avec les promesses, les E5 et les await, il va falloir qu'il y ait un petit peu plus de choses qui soient faites, qui soient présentes, parce que ce n'est pas géré nativement par l'ES5. Donc, TypeScript est capable de faire certaines choses, mais il y a d'autres trucs où, tu vois, il me disait, là, il faut que la classe, si tu veux mettre des méthodes async, des choses comme ça, il faut que ta classe hérite de promise, apparemment, pour que ça fonctionne. Donc, c'est juste ça. Ou afficher l'image pixel par pixel. Peut-être pas déconner non plus, lui. Donc, allez, on se le tente, c'est juste, ça permet aussi de voir en même temps comment est-ce qu'on fait ce genre de choses avec le dessin de l'image, mais vous allez voir que c'est d'une bêtise affolante. C'est-à-dire qu'on va faire un this.ctx.draw, c'est draw image normalement. Et là, dans les paramètres, on a pas mal de choses. Première chose, ben, c'est la source, l'image source qu'on veut afficher. Donc, ben, nous, c'est facile, c'est this.picture. Picture. Et puis ensuite, donc, on a le dx et le dy. Alors, ça, normalement, c'est donc la coordonnée à laquelle on va vouloir dessiner notre image. Donc nous, on va indiquer, nous, c'est x et y, donc x, y. Et après, on peut encore rajouter des paramètres au image. Alors, je vais aller rechercher, parce que là, elles ne ressortent pas en direct. Donc, on va faire js canva draw image. Voilà, et on a, voilà, la sx, donc ça, c'est la... Les coordonnées, normalement, source, je crois, et destination, donc x, y de la source, donc partie de l'image que l'on veut récupérer, enfin, l'angle supérieur gauche du début de l'image qu'on veut récupérer, largeur, hauteur du morceau d'image qu'on veut récupérer, et ensuite coordonnées de l'endroit à laquelle on veut mettre ce bout d'image, et largeur et hauteur si on veut éventuellement appliquer une déformation sur l'image. Donc nous... On veut récupérer ben, x et y, ça ne change pas. On veut récupérer width et height,
de la même façon. Et en fait, on va afficher, on va tout afficher exactement au même endroit, exactement pareil. Voilà. Mais on n'affichera que ce morceau-là de l'image. Et il y a une virgule de trop qui est aussi présente ici. Qu'est-ce que j'ai donc foutu avec mes virgules et tout, hein, c'est un peu le bordel. Hop. Alors pourquoi il n'est pas content avec le X? Le nom X est introuvable. Effectivement, le X, je l'ai défini ici. Et alors qu'en fait, il faudrait le définir là. Ensuite, height. Le nom height est introuvable. H-I-G-H-T. En mettant le T au bon endroit, tout de suite, ça passe mieux. Et puis, bah, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Il fallait juste ajouter cette ligne-là. Et alors maintenant, ben, sous nos yeux ébahis, si on actualise, et puis que ben, vous... Alors par contre, attendez, parce que j'actualisais là, il faudrait peut-être que je réactualise un petit coup également au niveau du chat. Pas du chat, mais de Twitch. Voilà. Donc là, voilà, normalement, si vous révélez les petites cases, eh ben, on va voir l'image qui va apparaître petit à petit. Voilà, donc le game, il est là. Donc là, il y aura du challenge, parce que forcément, vous avez vu, bah, même avec une image comme ça, c'est pas facile. 64K, c'est vrai que c'est quand même balèze. Sachant que, en général, vous êtes plutôt une trentaine. Donc peut-être que, je sais pas, je réduirais peut-être un petit peu. Ça ferait quoi, 7 x 7 à 49, ce serait peut-être mieux avec 7. Je pense que ce serait peut-être plus accessible. Sauf si voilà, on le fait durer sur plusieurs lives où là, bah effectivement, c'est quand même plus, plus simple. Donc en tout cas, c'est cool, cette partie-là, ça fonctionne bien. Alors, ce qu'on va faire, on va juste peaufiner, puis après on ira manger, hein, fin de la journée. On va peaufiner un petit peu tout ça. Donc le canevas, on va lui donner une dimension qui fait qu'il va couvrir l'intégralité du document. Donc là, on va se faire une méthode resize. Donc on a le create canva ici, on va se mettre un private resize qui va s'occuper, bah, typiquement là par exemple, de faire ce genre de choses. Mais comme on l'avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire un this.canva.clientWidth et client8. Voilà, et bien sûr, il faut que je rajoute un if this.canva. Non, il ne va pas être content. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que au niveau justement du resize, on va peut-être même le faire directement ici. Non, c'est pas bon. Si je le mets là, ça va pas le faire. Alors, je réfléchis un petit peu en même temps. Tiens, il y a Louis. Il dit, ouais, je les ferai toutes. Yeah. au moins, c'est bien. Ça vous occupe pendant que je fais... Pendant que je fais un autre truc, ça c'est plutôt cool. Non, c'est bien, ça va être génial ce truc. Au niveau des dimensions du canevas, en fait, il faut que je récupère les dimensions de la fenêtre, que je regarde quelle est la dimension la plus petite, et puis que je colle à ça. Donc, on va faire un const min dim, dimension, hop, est égal à mat.min. De document, comment est-ce que je vais avoir, est-ce qu'avec body ça peut marcher, point body, non, point or, si peut-être, point client width, virgule document, point body, point client 8, voilà. Donc là on a notre dimension minimale, à partir de là on n'a plus qu'à dire que, hop, ce truc là, bon en fait je vais sans passer par client width, min dimension, tiens, on va même le faire en hop, dollar min dimension px. Voilà, voilà. Et puis du coup, bah, ici, c'est min dimension.
Hop. Et donc là, normalement, on va avoir un canevas qui va occuper toute la surface. Et à couler mon porte-avions. Bah oui, on pourrait faire des batailles navales aussi, si vous voulez. Avec des équipes. Alors, enfin, le chat, ça va être n'importe quoi après. Et du coup, bah là, en fait, ça, on va faire sauter. On va faire juste un 6.resize ici. Et de la même façon, on va se faire un... ici, un window.resize. Non, point on, point add event listener resize. 6.resize. Tac. Voilà. Donc là, ça, c'est pas mal. Je check ici si j'actualise. J'ai un gros carré tout moche. Ah, par contre, si je resize, il faut aussi que je fasse un refresh. Donc, this.resize, hop, this.refresh. On refait, et donc là, normalement, ok, donc j'ai bien un carré, et quand je dessine, hop, comme ça, c'est bon, ok. Donc ça, ça passe. Alors, par contre, au tout début, il est vachement moche. Il est vachement moche. Le resize, il a lieu quand par rapport au refresh? Ah bah j'ai pas fait en fait de... Ok, j'ai pas fait de resize au début. En fait, là, je vais juste faire un resize, comme ça fait un refresh en même temps. Là, ça le fera. Ah, par contre, il y a une erreur. Non, j'ai cru. Ok. J'actualise. Voilà, comme ça, j'ai un beau quadrillage tout beautiful. Et comme ça, donc, il fait bien son truc. Ça, c'est nice. Pendant qu'on y est aussi, on va le reset, le timer, là, on va le mettre un petit peu plus long maintenant. Bon, les tests, on n'en a plus trop besoin. Moi, je pense que 30 secondes, c'est pas mal. Donc, on aura ça. Là, je vais actualiser un petit coup de votre côté. Pouf, voilà, comme ça, cette fois-ci, effectivement, on a bien une grille. Et normalement, voilà, si je change la grille de taille, eh bien, ça change également pour vous. Donc là, comme ça, on a quelque chose qui est un petit peu plus visible. Elle est où la nuke? Et donc là, effectivement, si on fait la case 5-5, voilà, ça fonctionne. Alors par contre, je suis pas sûr qu'il me dessine une image là. J'ai l'impression que c'est très très transparent derrière. Pourquoi? Pourquoi il me dessine plus la picture? Que j'aurais oublié de faire un this.loadPicture quelque part. Non, le loadPicture, il est bien fait. Mais là, sauf erreur de ma part, il y a un loup. Hop, K77. Ah oui, oui, clairement, là, il y a un loup, il dessine pas l'image en arrière-plan. Comment sait-il donc que c'est que ça se fait, cette histoire? Alors, Create Canva, Initialize, il est où le refresh? J'ai perdu le refresh, voilà. Blablabla, this.drawImage, this... Ah, oh. Alors, c'est un... Ah oui, ok, d'accord, je comprends. Donc. Alors. Il faut que là, j'applique un petit coef, parce qu'avant, on avait une image qui faisait exactement la taille du canevas. Donc, du coup, tout allait bien. Maintenant, on a une image qui ne fait plus du tout la taille du canevas. Donc là, ça ne va plus. Ok, donc, il nous faut faire quelques petites choses. Donc là, je vais renommer ça. Case Width. Case 8. Ok, donc ça, on est d'accord. Ensuite, on va avoir le const picture. Alors. Puis, ah, case, c'est vrai que tu as raison. En plus, case, ça ne veut pas dire case, on va dire box. Donc, quitte à renommer, on va tout renommer bien. Donc, box width. Ensuite, on a le picture box width. Après, tu me diras, ou picture box size, on va les faire. Ah, mais si jamais on avait quelque chose. Non, on va faire quelque chose de carré en permanence. Voilà, donc picture box size, c'est égal à this.picture.width divisé par this.grid size. Ensuite, on a le canva box width qui est égal à this.canva divisé par ça. Ensuite, ici, ça c'est du canva box width everywhere.
et là aussi, mais là par contre, c'est du picture box size. Et ensuite, là, il nous faut le x picture et le y picture en fait. Donc, const x picture est égal à i colonne fois picture box size et y picture c'est hero fois ça. Et du coup, hop, x hop, picture et y picture. Et là, normalement, on aura de magnifiques déformations qui vont bien. Allez, on est parti, on résiste. Lui, il a fait un bot pour jouer. Non, pas encore, mais j'hésite. Pas la peine. Te casse pas les fesses à faire un bot, lui, parce que après, vous ne pourrez intervenir qu'une fois par live, de toute façon. Donc, zen. Gêne. Allez, petit malin. Allez, propriété. Bim. Bim. Refresh. Voilà. OK. Tiens, on va le mettre en vachement plus gros. On va prendre la case 5.5 comme tout à l'heure. Et là, voilà. Là, j'ai bien une image qui est derrière. Si je prends la case 7.7, on est bien sur une image également ici. Si je prends la case 0.0, hop, on a bien celle-là. Je vais faire les quatre angles et puis voilà. Hein. Case 0.7, hop, et case 7.0. Voilà. Donc on a bien notre image qui est présente partout. Et donc là, cette fois-ci, ça fonctionne. Et même si je réduis ou j'agrandis, ben on a toujours le dessin qui apparaît partout comme il faut. OK. Ça, c'est cool. Par contre, les cases, elles sont franchement dégueulasses. Alors ça, on pourrait faire la même chose. Oh ouais, on va faire ça. Ah, peut-être pas beaucoup plus beau dans un premier temps, mais ça peut être assez fun. Hop, on va faire CTRL N, on va faire un peu plus gros, je vais la faire de, allez, 1000 par 1000. Hop, on va se faire un petit truc genre dégradé des familles. Hop, 0,0, on a dit 1000 par 1000. Voilà, on a dit un dégradé. Qu'est-ce qu'on se fait comme dégradé? On se fait un dégradé un petit peu radial, légèrement, comme ça, sur le côté, pouf, machin. Au niveau des couleurs, on fait quand même un truc un petit peu plus joyeux, quoi, parce que sinon, on va tous décéder, on va tous mûrir. Alors, on se fait un truc à la Twitch, un peu dans les bleus-violets. Je sais pas, c'est quoi? Comme ça, pour la partie foncée. Et puis, la partie claire, on part seulement d'un truc comme ça, peut-être à peine. Light, hop, voilà, bim, comme ça, au milieu, paf, point d'interrogation, tic, on met ça, allez, léger, 250, c'est quoi, c'est la Segway, 500, hein. Hop, on centre un petit point d'interrogation, hop, comme ça, pic, blanc, hop, voilà, CTRL SHIFT, allez, on est fou, on s'en met un autre. Celui-là, on va le mettre de 200. Hop, hop. Voilà. Et puis, on en remet un autre. Hop, par ici. Qui lui va faire, allez, 180, un petit peu plus petit. Tac. Ah ouais, c'est de la fioriture. Hein. Pure fioriture. Voilà, hop. Tac, tac, tac. Ah, merde, loupé. Tac, tac. Voilà, comme ça, pof, CTRL SHIFT X, JPEG, export, up, mystère, voilà, je crois que j'ai mis mystère en plus, et du coup, hop, c'est pas bon, forcément, comme d'hab, je me plante à chaque fois, si c'était bon en plus, donc, picture, ok, et puis du coup, picture, je vais mettre mystère, je me pose ceci comme ça. Sur là, on s'en fout de l'orthographe. Ah, donc, picture, mystère. Donc, là, 10.picture, mystère. Et donc, this. Alors, du coup, on va changer un petit peu. On va faire un this.loadPicture.
On avait dit img slash ada.png. Voilà, hop, là on va se mettre un mystère.jpg. Là, this.picture-mystère est égal à ça. Ici, this.picture tout court, hop, est égal à ça. La fonction de chargement, on va mettre pass sous la forme du string et ça renvoie un HTML image element. Voilà, donc load src est égal à pass et on s'en fout, return picture, pardon. Non, pas this, juste picture. Et donc là, const picture est égal à new blablabla, poète et poète. Mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Voilà, donc là je retourne mon picture, blablabla. Et là maintenant, plutôt que de dessiner des cases, eh bien, on va faire exactement la même chose. Ou presque. C'est-à-dire que ici, hop, je remets ça. Et le picture box size. Oh, putain. Picture mystère box size. Saisis.picture mystère. Point width divisé par ça. Alors forcément. Ou this.picture mystère. C'est un port qu'il me faut devant. Check une petite bordure pour distinguer un peu mieux la limite. Ouais, on peut se faire ça effectivement aussi, la bordure, pas de problème. Je termine juste avec ce machin là. Donc là, ici, c'est picture, bla 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 bla. Le x picture, le y picture, plop 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 plop. Voilà. Donc là, normalement, si je fais juste ça et que j'actualise, c'est perdu. Bien, parfait, merveilleux. Ah bah oui, j'ai mis 6.picture. Boulet. Là, c'est picture mystère. Ok. Là, ça me donne quoi? Ouh, ok. Donc ça, déjà, c'est vachement beaucoup plus mieux. Ce qui fait que là, si je fais un petit test, case 5, 5, ok, j'ai bien mon autre image qui apparaît derrière. Donc ça, ça va déjà être un petit peu plus sympa. Ensuite, on me disait, avec une bordure, ce serait plus sympa. Donc oui, on peut effectivement faire ce genre de choses. Je suis juste en train de réfléchir. On fait une bordure quoi? On fait juste une petite bordure blanche. Ça peut être suffisant. Donc la bordure blanche, eh bien, on va la faire... là, on dessine tout ça. Et par-dessus tout ça, on va faire un this.ctx.begin pass, ensuite this.ctx.move to ben du coup 0,0. Techniquement, ça va être aussi simple que ça. Alors vous me direz, ouais, je pourrais même faire un rectangle et faire juste le stroke. Ouais, on va faire ça. On va pas s'embêter. Donc this.rect. Mais bordel, j'ai. Ah, c'est this.ctx.rect. 0,0 this.canva. Point width this.canva.height. Voilà ce qu'on va faire. Donc on va faire un this.ctx.stroke et ici on va faire un this.ctx.stroke style égal à height. Et on va aussi se rajouter d'autres petits trucs. On va se faire, normalement, on peut mettre du shadow d'un effet diffus. Alors, JS, Canva, c'est dans les trucs. Shadow, qu'est-ce qu'on a là-dessus? C'est Shadow Blur. Shadow Blur, et puis directement le level. Donc, hop. this.ctx.shadowblur, donc le flou d'ombre est égal, on va mettre, on va mettre à 3 pour le moment. Alors je sais pas si c'est un entier ou si c'est censé être un petit peu plus. Non, ok, juste ça. Ah, il y a quand même un shadow. Ah, il y a un shadow color.
Alors, je sais pas si c'est vraiment ça que je veux faire. On va se mettre donc un shadow color en white également. Alors, tel, j'ai les doigts qui n'importe où. Tac, 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 tac. Que je vais terminer par un zis.ctx.restore. Et tout au début, on va se mettre un zis.ctx.save. Sachant que techniquement, le blue et le black, on s'en tamponne maintenant. Le clear rect, ça par contre, on le garde bien. Hop. Alors, je check ici. Ok, on a bien la bordure. Par contre, la diffusion. Si, il y a quand même une petite diffusion. On voit qu'il y a il y a un effet diffus. Je vais essayer de l'augmenter un petit peu. J'avais mis 3, on va mettre 15, justement. Ouais, on le voit pas forcément super super bien. On va voir si je mets la case 7 7. Ouais, on voit pas forcément super bien. Ici, grossir un petit peu le trait aussi. Ça doit être this.ctx.line width. Hop, on va se mettre à 3. Ah, c'est vraiment du cosmétique là. Ouais, du coup là on le voit un petit peu, on la voit un petit peu plus le l'éclairage blanc sur le pourtour. Ça y est, ils attaquent, les gars, ils arrêtent. Ah, c'est lui. Forcément. Et du coup, pour que ce soit un petit peu plus sympa pour vous, hop, on rafraîchit à ce niveau-là. Pof. Voilà. En fait, ça y est, lui, il a déjà fait son bot. Donc ça, c'est pas mal. Alors, avant qu'on se quitte, on va juste se rajouter une petite commande qui, à mon avis, sera quand même intéressante. Là, ici, dans les game commandes, dans les game chatbots, ce que je vais faire, ou alors case, si on met juste case tout court, on va autoriser le case avec zéro élément. Donc je vais aller dans game command. Ici, donc si item.length est égal à 3 ou items.length est égal à 1, on va autoriser le fait qu'il n'y ait pas d'argument. Ou alors non, c'est plutôt là que je vais le faire. On va le faire comme ça. Hop. On va faire un else if, on va pas s'emmerder à faire un switch pour deux valeurs. Ça n'a pas d'intérêt. Et donc là, on va juste faire un this.bot.emit de case. Donc là, on va faire un truc comme ça. Et puis, de ce côté-là, quand on récupère les events, ça se fait normalement, je ne sais plus où, add event case, donc data, if data, parce que je pense que sinon ça va être un undefined. Donc voilà, hop, et sinon ça fait juste un reset timer. Je pense que ça c'est pas mal, c'est-à-dire que. Alors, juste, je voudrais voir un truc. Est-ce qu'on peut le laisser? Ah bah non, merde, maintenant il dure super longtemps. Je vais rechanger ça juste pour le test. On va remettre 3 secondes. Voilà, hop. Alors, là, on le laisse, je voudrais qu'on le laisse disparaître. Et je vais juste faire case. Ah, et donc, ah, par contre, là, il n'est pas d'accord, X undefined. Donc, ce qu'il me dit, en gros, c'est que ça, c'est pas suffisant comme condition. Hop, qui est ici. C'est if data, crochet 0. Donc, hop, ça disparaît pas chez nous. C'est normal, c'est parce que chez vous, vous étiez à 30 secondes. Pour que ça apparaisse ou pas. J'ai pas encore rafraîchi de votre côté, mais là voilà. Donc là c'est bon. Donc propriété, je vais juste voilà, je vous l'actualise. Et là vous allez voir, ça va disparaître très très vite, tu vois. Alors case, effectivement la commande, on a dit que c'était pas ouf
parce que ça permet pas, ça c'est pas clair, c'est case. Ce que je, on va juste changer la commande. Ça va devenir, je sais pas moi, Gamebox, ça vous va? Donc Gamebox ici, la commande. Donc là on a dit c'était non, la commande à vous c'est Gamebox et puis moi ici ça va être box. Et donc si je reviens hop ici, il faut que je change case pour box. Voilà. Alors du coup ça marchera plus. Mon cher Louis, il va falloir que tu réécrives ton bot. Ils ont des, ils ont les doigts en feu, c'est clair. Voilà, alors case 00. Par contre, là, il y a un loup. Ah oui, case, là, je me suis fait avoir pareil. Ah, là, il y a, allô, allô Houston, we have a problem. Non, j'ai mis box. Ah oui, c'est Gamebox, pardon. Ah, c'est pas terrible, Gamebox, c'est long. Hein. Ben, en même temps, ça marche pas non plus. Alors, why que pourquoi? Je vais enlever Gamebox, je vais mettre Box tout court. Déjà, ça, ce sera mieux. Ensuite, je reviens dans Game. Donc là, on a notre split, Emit Box, Emit Box. Dans tous les cas, on émit le box machin. On fait ça. Par item, blablabla. Donc là, ici, normalement, on est bon. Là, ah si, c'est bon, c'est reparti. Alors, par contre, c'est juste que c'est beaucoup trop court à nouveau. Donc on va repartir sur 30 secondes. Je pense que 30 secondes, c'est assez pour besoin de. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Et ça se fait comment sur OBS? C'est le browser input. Ouais, ouais. C'est juste une entrée browser. Et comme en fait, je vais chercher sur, sur le browser, bah du coup, ça marche. Oh, il y a un truc qu'on pourrait faire qui serait assez rigolo. Et on terminera là-dessus. Ça m'intéresse justement de voir un petit peu si je fais ça. Et puis que je lui dis tu vas être en couleur voilà un beau petit vert bien dégueulasse comme ça, je fais un contrôle shift x, j'envoie ça là dessus pouf pouf pouf, ok. Et du coup je suis désolé, je vais vous réinitialiser encore le tout une fois de plus, une fois n'est pas coutume, voilà, hop, avec un joli petit vert. Et que maintenant là dessus on se met un filtre. Alors, c'est pas sur le bon filtre, ce sera ici. Incrustation par chrominance. Ok. Et ça passe. Ça passe plutôt bien. Vous voyez, en plus, si vous voulez faire de la transparence dans vos widgets, ça, ça passe complètement. Hein. Je peux me cacher derrière un point d'interrogation, moi. Voilà, donc c'est complètement possible de le faire comme ça. Je voulais être sûr que ça passe bien, mais effectivement, ça passe très très bien également avec, avec ce genre de choses. Donc that's totally possible. Ça me rappelle Word Art. Ouais, peut-être pas quand même, hein, faut pas... Sois pas désagréable, Wanerok. Voilà, hop, je remets la bonne image. Et puis voilà, là, ça veut dire que la semaine prochaine, on aura de quoi s'amuser. Alors si, ce que j'ai pas mis, j'ai pas remis la limite, mais ça, je m'en occuperai, je ferai ça, ouais, je ferai ça ce week-end, tranquillou. Donc une petite limite qui fait que vous ne pourrez pas jouer plus d'une fois par live. Et donc ça, ça se réinitialisera automatiquement avec le début et la fin du live. Adieu mon bot, ouais. Ça je t'avais prévenu en même temps, hein. Donc ça, qu'est-ce qu'on aura d'autre, faudrait qu'on voit également si derrière on gérerait pas des scores justement qui pourraient s'afficher avec le top 3 des scores sur les mini-jeux, des choses comme ça. 111 messages ont été supprimés par un modérateur, Xen a banni Louis. Oh putain, oh, alors il y en a qui disaient de Nightbot, mais alors les vrais, ils sont encore pires. Oh, puis tu l'as banni pendant 600 secondes, c'est énorme. Une minute, le pauvre, il peut plus rien faire. Oh non, je peux pas laisser faire des choses pareilles. Oh là 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 là, mon pauvre Louis. Alors je sais même pas d'ailleurs comment ça marche, faut que je fasse quoi, faut que je fasse un... Ah voilà,
Mon pauvre Louis, vraiment, ils sont furieux, hein, je te jure. Je boude. Oui, bah oui, bah, putain, oui, t'as raison, 600 secondes, mais carrément pas une minute. Oh, ah oui, c'était 600 secondes, pas 60, 10 minutes, tu t'avais. Oh là là. Ah. T'as pas pu mettre moins. Attends, ça marche comment ce truc? Alors, username. Alors, voyons voir un petit peu. Hein? Reason. Où? Ça fait quoi ça? Ah! Ah oui, moi j'ai banni. Point. Ah y a, oui, mais il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de temps. C'était juste banni. D'accord. Moi, j'ai pas la possibilité de mettre un temps. Attends, merde, il faut que je retrouve. Yami. Voilà. À chaque fois, je. Voilà. Ah, puis Sukato, il peut lever les bannissements. Tout va bien. Phone ban pu. Ah merde, pu remode. Ah parce que du coup il est démodérateurisé. Donne-le. Ah, attends, je peux le faire effectivement comme ça. Ah, je sais pas s'il s'est passé un truc là. Zen, est-ce que tu as été remodératorisé? Parce que du coup, vengeance, moi. Ah, vous êtes marrant. Ah, bon, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit live de ce soir, ça vous a plu. Alors, est-ce que tu peux être ban de ton propre stream? Vous voulez qu'on essaye? Allez, on essaye, on va voir ce qui se passe. Donc slash ban les moulins du dev. Il vous est impossible de bannir le diffuseur. C'est bien comme ça. Ah, c'est time out pour silencionaliser quelqu'un. D'accord, cool. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Je garde le contrôle de la chaîne comme ça, c'est cool. Petite question comme ça. Est-ce que, tiens, ce sera le sondage du jour, parce que j'en ai pas fait du coup de sondage aujourd'hui. De quelle couleur voyez-vous mes cheveux? Donc, blanc, blond ou vert? Ouais, 3 minutes, faut pas déconner, on va se faire ça en 1 minute, hein, 1 minute chrono. Bim, vous avez un sondage. Tout en haut du chat. Dites-moi un petit peu si ça fait verdâtre, si ça fait plutôt blanc. J'ai du mal à dire. Salut Kodamas, bonsoir à toi. Surtout de profil, le vert ressort. Et donc là, surtout là, en fait. Par contre, si je suis comme ça, on sait pas trop. Ah, vous me dites plutôt blanc et blond. Donc finalement, il n'y en a pas trop qui disent vert. Alors pour moi, il n'y a pas non plus ultra masse de votants, mais. Ok, donc ça fait pas trop verdâtre. Parce que franchement, je me posais la question un petit peu. Ah, c'est la couleur qu'on voit. Ah, Louis. Finalement, je vais peut-être te rebannir un coup, Louis. Alors, Wanarok, oui, je trouve. Oui, donc toi, tu trouves que c'est le vert qui ressort. Alors, pourquoi tu votes pas que c'est vert, Wanarok? Il y en a beaucoup qui disent blond plutôt. Ok. A banni Louis pendant. Mais non, mais Xen, fallait pas bannir Louis. J'ai pas dit que je voulais le bannir. J'ai dit que j'allais peut-être passer mon chef. Ah, c'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. Salut, Akdir. Bonsoir à toi. Ah, c'est complètement fou. Gamebox 1. Alors, en fait, j'ai changé, c'est box tout court. Enlève le. Je trouvais que Gamebox c'était trop long à écrire. C'est juste box, Kodamas. Ben, ben, ben. Voilà, nickel. Donc si tu mets box avec des valeurs qui vont pas, en fait, il va pas lever de case. Il va simplement afficher le jeu pour que tu vois où c'est. En fait, si tu tapes juste box, c'est pareil. Il t'affiche le jeu pour que tu vois où est-ce qu'on en est au niveau de l'image. Et ça te permet du coup de dire, ah ben alors je vais lever cette case-là.
Par contre, je me dis ce qui serait peut-être pas con à rajouter, c'est le numéro des cases. Parce que, et dans ce cas-là, travailler juste avec le numéro de la case, ce sera peut-être plus simple. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas simple de se dire, je vais prendre la case numéro 5, 8, surtout que là, il n'y a plus du tout les repères de grille. Petite amélioration à faire à ce niveau-là, je pense. Parce que sinon, c'est quand même pas, c'est pas évident. Alors, ça commence à 0, donc si vous voulez, la dernière case en bas à droite, c'est la 7-7. Elle va de 0 à 7. Il faudra que je fasse un petit truc. Et pareil, on pourrait imaginer que quand on tape box, donc d'une part, ça affiche où est-ce qu'on en est donc de la grille. Et qu'en plus de ça, ça renvoie dans le chat des petites informations avec les commandes que vous pouvez faire, le nombre de cases qu'il y a sur la grille, donc les valeurs qui sont autorisées de temps à temps. Ça pourrait être sympa que le bot il vous donne 2-3 infos comme ça. Je sais, c'est Ada. Alors ça, il faudra faire. Ah oui, on n'a pas fait la résolution. Mais oui, il y aura aussi la résolution qui sera gérée automatiquement. C'est-à-dire que tu fais box Ada. Et du coup, ça te validera et ça te créditera les points automatiquement. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Après, je ne sais pas si le bot peut donner des points de chaîne. Est-ce que moi, j'ai le droit de vous donner des points de chaîne directement? Ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui est envisageable? J'ai du host, j'ai du mark, j'ai du unmode, du poll, du prediction, du red, du unread, du request, du slow, du scribble, timeout, VIP. Non, je peux faire du VIP, je peux faire du mi-mode VIPs. Non, je peux pas faire de. Je peux pas faire ce genre de choses apparemment. Si je clique sur un user, je peux t'offrir un abonnement. Je peux te bannir temporairement. Non, je ne peux même pas dire t'offrir un abonnement. J'ai le droit de faire ça. Je peux chuchoter, je peux t'ajouter en tant qu'ami, mais je peux. Ouais, non, j'ai pas de possibilité au niveau des points de chaîne. C'est vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment Twitch qui gère ça. Il n'y a pas de possibilité à mon niveau. Ah! Ah donc si, donc il y aurait quand même des trucs. Alors il doit y avoir des. Il y a forcément des choses dans l'API qui permettent de faire ça. Nécessairement. Si on regarde API Twitch, give channel points. Alors, how to get the channel points of a special user. Ça, c'est pour obtenir les points qu'il a. Savoir où est-ce qu'il en est, mais parce que je sais que normalement là tout dernièrement ils ont sorti l'API des channel points, il me semble qu'il y a ou en tout cas que ça devrait ou c'est peut-être ça va peut-être arriver en septembre, je sais plus, mais c'est un truc qui est censé être soit très récent soit pas encore tout à fait sorti. Mais ça, c'est plus la fac Channel Points Gig, ouais, c'est pas au niveau de l'API, ça. Vody de bêtises, un Twitch Channel Points API, ce sera peut-être plus à ce niveau-là. À moins que c'était des points custom, j'ai un doute. Par une prédiction. Ouais, par exemple, la prédiction. Is the Channel Points Channel V1 pub sub? Ouais, c'est avec les subs. Pas les subs au sens. Les event subs. Ça fonctionne. Donc, channel points. A custom reward is redeemed in a channel. Channel subscription. Byte speed. Chat. Pas l'impression qu'on puisse. Hein. Ma foi, on cherchera ça et puis ce sera pour un prochain live. En attendant, à nouveau, à toutes et à tous, j'espère que voilà, vous avez pu, que vous avez apprécié ce live, que ça vous a amusé, que ce petit jeu et d'autres vraisemblablement qui sortiront dans les futurs épisodes. En fait, je me dis ça peut être un truc sympa, c'est-à-dire un soir où j'ai pas eu le temps de préparer les choses comme je voulais, typiquement comme ce soir, parce qu'à l'initial, je pensais
continuer, faire la suite du dessin des graphes qu'on avait attaqué la semaine dernière, mais j'ai pas du tout eu le temps de préparer. Donc, il fallait que je potasse un petit peu les choses. Salut HTML5PHP, bonsoir à toi. Donc, en fait, l'objectif, c'est que voilà, je me dis, quand il y a des trucs comme ça, bon, je vais aller, on se fait un petit jeu, on rajoute un petit jeu à la panoplie des petits jeux qui sont disponibles, sachant que pour passer à un nouveau jeu, bah, il faudra terminer le jeu en cours, et puis c'est vous qui décidez le lancement du prochain jeu. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ce sera un memory? Est-ce que ce sera un autre type de jeu qu'on pourra développer comme ça? On parlait de bataille navale, on peut très bien imaginer une bataille navale. Bref, voilà. Ce fut fort en jaillant. Merci Wanarok, ça fait plaisir. Non, j'ai été ban deux fois. Bah oui, mais ça, mon pauvre Louis, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Pour le coup, ce n'était pas point moi, ni même Nightbot, tu vois. HTML5, PHP, tiens, pendant qu'on y est, puisque tu nous rejoins et que tu as quand même un pseudo qui en dit long et qui a dû être. Ben voilà, c'est bien structuré, donc ça va faire un petit moment en plus que tu l'as, je pense. Est-ce que par hasard, tu as une chaîne Twitch sur laquelle donc, tu fais des lives et sur laquelle donc, tu parles peut-être de web, de dev web, au niveau d'HTML ou de PHP? Tiens, on fait un petit peu de pub au nouveau, tant qu'à faire. Et tiens, en parlant de pub, hey, les modos, là, et le Discord, et le site web, et le GitHub, hein, allez, bim, 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 on fait péter les liens, là, pour que les gens sachent où nous retrouver, s'inscrire, et oh, au niveau de YouTube, j'ai ça, c'était ça la grosse actu dont il fallait que je vous parle, YouTube, pendant qu'HTML5 PHP nous en dit un petit peu plus, YouTube. On a un événement à célébrer, quand même, il va falloir qu'on fasse un truc, hein. YouTube, on a passé les 500 abonnés. 517 abonnés sur YouTube. Wouhou ! Juste avec des redifs de stream de 3 heures minimum. C'est complètement hallucinant. Donc, bah voilà, je voulais vous dire aussi merci pour ça. C'est cool. Donc, si justement vous avez envie d'être tenu informé régulièrement des rediffusions des lives, et que vous n'êtes pas sur Discord et que vous n'avez pas envie de vous créer un compte Discord, vous pouvez vous abonner à la chaîne des Moulins du Dev, et puis comme ça, bah, quand je publie les rediffs, bah, vous êtes informés. Et ça vous permet de les checker si jamais vous n'avez pas eu le temps de les voir un soir. Ou ça vous permet de voir des lives qu'on a fait il y a un petit moment, parce que sur Twitch, c'est supprimé au bout de 15 jours. Donc voilà, donc sachez que la chaîne existe, et franchement, ça fait super plaisir. J'ai prévu un petit quelque chose par rapport à ces 500-là. Et puis, tu as vu 100% des revenus des 3 derniers mois garantis pendant 3 mois si tu streams 85% du temps. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'argent. Ah, attends, j'en profite avec HTML5. Oui, lol, mais je code des bugs déjà assez avec mon emploi. Ok, ça marche, je comprends. Donc au fait, tu as vu 100% des revenus des 3 derniers mois garantis pendant 3 mois. Des revenus des 3 derniers mois, hein, si tu streams pendant 85% du temps. Et dégressif pendant... Comment ça? Comment tu veux que je stream 85% du temps? 85% de quel temps, OneRock? Tu veux pas que je passe 85% de mes journées sur Twitch? Ce serait complètement impossible. How does local subscription prices impact creators? Parce qu'en plus de ça, là, ça vaudrait le coup, vu tout ce que vous avez lâché comme sub le mois dernier, bande de malades, quand j'y repense. C'était juste de la folie, quoi. Alors, tu dis quoi? Un 3 mois baseline, 100%. Alors, monthly average sub revenue and live hours broadcasted. Ah, donc tu veux dire que... Je comprends pas. Attends. Je comprends pas ce qu'il dit, en fait. En gros, plus tu streams beaucoup, plus tu touches sur les... quand vous faites un... Parce qu'effectivement, actuellement, quand vous faites un sub, moi, je touche 50% du sub. Donc, ça veut dire que quand vous lâchez 5 euros, moi, j'en touche 2,50 euros. Sachant qu'encore une fois, la chaîne n'est pas faite pour le pognon, donc ça me gêne pas. Mais gardez toujours à l'esprit qu'il y a une partie de l'argent qui va à Twitch. Et c'est normal, parce que mine de rien, j'ai une plateforme de streaming où je peux lâcher de la vidéo et que vous pouvez consulter. Et tout ça complètement gratos.
Donc, je dirais même que 50%, voilà, c'est cool. C'est, moi, ça me va très, très bien. Et donc, si je comprends bien, le ratio peut évoluer si tu, en fonction. Bah, alors, du coup, je comprends pas trop le truc. En gros, si tu streams au moins 85% du temps de stream de ces 3 derniers mois, tu as 100% de revenus. Il faut que je stream 85% du temps des 3 derniers mois en un seul mois? C'est ça que tu es en train de me dire? Non, temps de stream. En gros, si avant tu faisais 10 heures par mois, si tu fais 8,5 heures ou plus ce mois-ci, tu toucheras 100% de ton dernier mois. Ah ouais? Oh, c'est carrément cool! Ah, sachant qu'en général, je stream tous les mois la même quantité. C'est quand même assez régulier, hein, les moulins du dev, faut admettre que voilà. Ce serait juste complètement top parce qu'encore une fois, le mois dernier, vous avez lâché une quantité de mailles qui était juste hallucinante, quoi. C'est d'ailleurs beaucoup trop. Je vous en remercie encore, mais vous avez été complètement fou la dernière fois. C'est assez régulier. Alors, elle part le fait que c'est normalement plutôt jeudi que le vendredi. Bon, en ce moment, ça oscille pas mal entre le jeudi et le vendredi. Il va falloir que je refasse un générique, quoi. C'est ça qui va se faire. Si Jean remplit la baignoire un tiers fois moins que Jacques, merci, Père Dodo. Non, avec la baisse des subs, si tu streams 85% du taux moyen et que tes revenus baissent, alors tu as une compensation de Twitch. D'accord. Fais juste gaffe sur la fin du mois, ça serait dommage. Bah ouais, mais bon, voilà, de toute façon, je vous dis, les streams, ils vont être assez réguliers. Ils sont réguliers, je pense que vous l'avez constaté, hein, c'est au moins une fois par semaine. De temps en soir, de temps en temps, c'est un petit peu plus, mais c'est quand même pas très très souvent. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cette petite carte-là, hein, que j'ai pas du tout pris le temps de souder, qu'on pourra peut-être se faire un live de soudure là-dessus, si ça vous intéresse. Ça va prendre des heures. Mais voilà. Las Vegas, accroche-toi, les moulins du dev arrivent. Ouais, alors on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, honnêtement, comme je vous l'avais dit, hein, tout ce que vous donnez pour la chaîne, ça repart dans la chaîne. Et typiquement, bah, ça, c'est quelque chose qui va servir pour la chaîne. Je vous rappelle, le microbit, ça, bah, c'est vous aussi, hein, qui l'avez financé. Et du coup, bah, ça permet de faire des lives assez sympathiques. Alors d'ailleurs, ça, c'est un autre live aussi que je suis en train de préparer pour qu'on puisse contrôler le robot depuis le téléphone portable. C'est pas si simple que ça. Donc c'est pour ça que ça fera un live, je pense, qui pourrait être intéressant aussi. Bref, il y a tout un tas de trucs qu'on aura encore à voir. Bon, bah là, c'est pareil, hein, la petite installation que je suis en train de faire derrière, donc vous ne voyez pas encore, que vous ne voyez pas. Vous montrer d'ailleurs un petit peu hors champ ce que ça donne. Vous allez voir mon magnifique plafond. Je vais relever un petit peu. Donc voilà, vous voyez, vous avez la bande LED qui est mise directement sur le bord d'écran. C'est pareil, ça vous le voyez pas forcément. On est donc sur la main filtre. Voilà, si on désactive le fond vert, voilà, on est sur quelque chose un petit peu comme ça. Et donc là, bah, vous voyez ici le. Bah, non, vous voyez pas ma souris. Donc en gros. Ah bah oui, je peux avec mon doigt. Là, voilà. Donc là, il y a un petit bandeau LED donc, qui a été placé. Alors on voit que ça n'a pas l'air d'être super droit de ce côté-là. Ça part un petit peu en couille. En fait, c'est surtout ce côté-là qui s'est décollé tout à l'heure. Il faut que je recolle un petit peu sur la fixation que j'avais fait en 3D. Mais dans l'idée, en tout cas, voilà, c'est là. Donc tout ça, voilà, c'est des petites choses que ben, je m'offre avec vos abonnements. Voilà, pour essayer ben, d'améliorer la chaîne, de la faire progresser, pour avoir, ben, essayer d'avoir une meilleure qualité de vidéo, et puis des contenus intéressants, etc. Voilà. If stream time this month est supérieur à 0,85 de stream time last month, d'accord, sur 3. Ok. Non, mais écoute, c'est cool. C'est cool. Apprendre, ma foi. Le setup du riche. Ouais, alors, ça va. Honnêtement, tiens, d'ailleurs, je peux vous montrer aussi ce que j'avais acheté, là. J'ai acheté leur bandeau LED. J'ai acheté ça chez qui? Je crois que c'est Cylamp que j'ai acheté. J'ai acheté chez Cylamp. J'ai acheté donc de la LED. J'ai acheté. Alors, vous voyez que la LED, hein, ça coûte pas les rouleaux de 5 mètres, c'est pas très cher. Ça doit être. Je me demande d'ailleurs si c'est pas celle-là que j'avais pris à 120 LED par mètre. Ça doit être dans ce goût-là.
Ça devait être de celle-ci, ouais. Et puis sinon, j'avais pris un. Ouais, peut-être qu'il faut que je clique dessus pour voir ces machins-là, les accessoires. Ouais, j'avais pris un truc comme ça, le profilé aluminium. Donc c'est un profilé en aluminium comme ceci, sur lequel vous avez un cache qui est semi-transparent. Et puis donc vous collez votre ruban à LED là-dedans et ça vous permet d'avoir une diffusion de la lumière qui est plutôt pas mal. Et voilà, moi j'ai pris un profilé de 2 mètres de long, comme ça passe. Voilà, ça c'était pour les petites anecdotes complémentaires. Le bac. Je plaisante, c'est parfait. Non, non mais tu sais, HTML5, il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas beaucoup de sensibilité ici, au sens où voilà, je me vexe pas facilement, il faut vraiment en vouloir. Et voilà, on est plein d'humour, plein de second degré, donc pas de panique. Bon, allez, il va être temps quand même que on aille casser la croûte, pour ceux qui ne l'ont pas fait, dont moi. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain live. Je pense pas qu'il y en aura ce week-end parce que j'ai encore une fois j'ai trop de trucs à faire en ce moment. Et puis, ma foi, voilà, bonne soirée, bon week-end, profitez bien. Normalement, le soleil revient à partir de dimanche partout, donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Mais très vite parti, il faut y aller le remplissage le vendredi. Ok, je note pour le well done. Et puis, du coup, à la semaine prochaine. Allez, à ciao tout le monde!